Bonjour. C'est ta sœur de hanche. C'est quel genre de vie, ça? Oh, mon ruban. C'est même mieux. Stéphane n'a pas rapporté encore mon ruban. M'a dû clarifier. Tu sais que tu es en direct. Ouais. On a commencé. Oui, on a commencé. Et puis, c'est de la marche. C'est de la marche. Bonjour, oui, fidèle téléspectateur. Alors, aujourd'hui, c'est quelle date déjà? Rappelez-moi la date. 8 octobre. C'est le 8 octobre. On est en octobre. Et vous savez qu'en octobre, c'est le... Oui, c'est l'engagement contre le cancer. Donc, octobre rose. Mm-hmm. Aujourd'hui, au palais des congrès, bon, sur l'espace du palais des congrès de Lomé, pas une course, une course à pied, ils appellent ça 5 km à pied, c'est le trajet, ça va partir de... c'est la marche à pied, c'est la marche. Bon, on marche souvent à pied. Bon, comme j'ai commencé c'est là-bas, ce que j'allais vous demander. Et je suis arrivée ici, je vais continuer pas à marcher, on va faire l'émission en marchant. Donc, comme pour vous dire que je suis la seule qui... Vous avez de l'eau à côté? Je suis la seule qui fait du sport. Regardez les paresseux de la République comme ça. Donc, sur le champ du palais des congrès, normalement, la course devait commencer à 6 heures, mais ils y sont encore, ils n'ont pas commencé la course. Ce n'est pas une course, c'est une marche à pied, hein, comme je marche là. Pourquoi vous insistez pied? Vous dites une marche, c'est largement... C'est une marche à pied. D'accord. 5 km à pied, donc c'est une marche. Oui, là, on c'est dit 5 km à pied. 5 km à pied, c'est 5 km à pied. On dit pas 5 km à marche à pied. 5 km de marche à pied. D'accord. 5 km à pied, donc départ, esplanade du palais de congrès de Lomé. Premier stop, je crois, commissariat central. Commissariat central. Deuxième stop, Fréau Jardin. Et puis, retour Kazef, encore. Kazef, et puis... Retour, oui, à l'Ognie de Dadjima. C'est ça? Non, c'est ça. C'est ça. C'est la petite marche qui te fatigue comme ça. Hein. Tu penses que je suis venu marcher ici seulement? Ou bien que c'est ce que j'ai fait là, c'est ça que j'ai fait aujourd'hui? Non, c'est que vous avez marché. Tu t'habilles de Zanguera. C'est que vous avez marché de Zanguera pour arriver à la TVT. Tu t'habilles comme ça pour aller faire du sport, que tu fais seulement. Tu fais seulement quoi? Ce que j'ai fait. Bon, je vais prendre mon téléphone sur moi. Quand on voit la façon dont la tenue même est clean, on sait que cette tenue-là... Bon, quand on dit ce n'est pas la lue dans la boue. Non, on connaît. Ce n'est pas la lue dans la boue non plus. On connaît tout ça là. La marche tient au niveau de l'esplanade. Je m'en vais vous donner quel type de marche? À pied. C'est sinalagmatique. Aïe! Ouais, c'est un contrat sinalagmatique. Alors, départ arrivé, esplanade du palais des congrès, de Lomé. Repère 1, commissariat central. Repère 2, Fréau Jardin. Repère 3, Kazef. Et puis retour sur l'esplanade du palais des congrès de Lomé pour l'arrivée. C'est 5 km à pied, donc voilà le trajet. Initiative portée par All for Change, ensemble avec toutes les associations engagées dans la lutte contre le cancer. Espérance et Ville Nouvelle, la Ligue togolaise contre le cancer et bien d'autres associations, la Jeune Chambre internationale, toutes les fondations, toutes les associations qui militent, qui œuvrent dans la prévention et la lutte contre le cancer, les cancers au Togo, femmes sans cancer notamment, et leurs partenaires. Un monde sans cancer de sein, c'est encore possible. Donc c'est précisément contre le cancer du sein. Oui. Mmh. Octobre rose, c'est cancer en général. C'est cancer du sein. Mais les Côtes d'Ivoire. Si vous êtes dans les sillages du palais des congrès, vous pouvez retrouver voilà quoi. Vous dans pouvez les retrouver là-bas. Là, vous pouvez vous attendez au commissariat central. Oui, la tête de marche sur l'esplanade du palais des congrès. Ou alors, vous attendez ou au commissariat central, ou au Fréau Jardin. Mais bon, moi, je vais désirer. Bon, si vous devez attendre au Kazef, ce n'est pas la peine. Ça vous est arrivé déjà, quoi. C'est pas la peine. Si, il faut quand même. Et ils auront participé. Bon, du Kazef au palais des congrès. Ils auront participé. Toi-même, tu vas être content que tu as fait sport. Oui, oui. C'est le sport. Oui, tout à fait. Est-ce que tu sais d'où il vient pour aller au Kazef? Mais là, si tu habites au Kazef, si tu dois aller trouver au Kazef, pourquoi tu n'es pas allé déjà en début mais qui déjà, habite au palais des congrès? Tu sais, c'est un quartier administratif. Est-ce qu'il y a des gens qui habitent là? Non, je sais quand ce que je dis, que si tu es dans les zones de Koyakopé-Kompé, que tu veux aller. Tu ne vas pas aller attendre que ça te retrouve au Kazef pour marcher, pour aller... Oui, mais tu vas marcher de chez toi pour aller au Kazef, donc tu as déjà fait quelque chose. Donc, ce qu'on veut dire, en fait, c'est... On sait qu'il y a plus de chances dans la prévention du cancer que dans le traitement. Tout faire pour prévenir le cancer, les cancers, le cancer du sein et les autres cancers, tout faire pour prévenir cette maladie-là.
Et le sport, notamment, est fortement recommandé dans la prévention de ces maladies. Le sport, ça aide dans la prévention de tout ce qu'on appelle maladies non transmissibles, l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies cardiaques et compagnie, etc. Chouette, machin, truc, voilà. Donc, moi, ce matin-là, je viens de gagner encore quelques années sur mon expérience de vie. Dit que je fais du sport. Voilà, c'est moi qui ai eu plus aujourd'hui, et Niro plus aigu. Je ne crois pas trop en ce truc quand on dit espérance de vie, machin. Je crois que c'est pas parce que vous faites le sport que vous mourrez pas. Longtemps. Oui, non, c'est peut-être que vous vivez plus longtemps. Ce qui est, moi, c'est tout ce que je souhaite, c'est on fait le sport pour mourir en bonne mourir santé, en bonne quoi. Santé. Voilà, ouais. C'est tout. Vieillir je trouve, et mourir en voilà, bonne santé. Bien veiller, mourir en bonne santé. Parce que vous avez beau faire le sport, quand ça aura l'heure. Les sportifs partent. Les sportifs de haut niveau. Les entraîneurs des sportifs de haut niveau. Les entraîneurs même des sportifs de haut niveau également. Ils peuvent partir. Ouais. Oui, mais souvent, les entraîneurs ne sont pas tout ils le temps. Ils sont pas sur le terrain. Non, ils ne sont pas forcément de bons sportifs de haut niveau non plus. Et si, ceux qui font les. La préparation physique. La préparation physique, je crois qu'ils sont. Oui, mais il y a certains qui connaissent les techniques qui peuvent t'amener, toi, à pratiquer de façon. Assez, comment je vais dire, régulièrement. Ouais, et c'est puis, possible. Ces techniques-là, mais eux-mêmes ne sont pas. Mais ils vont quand même pratiquer ça un peu. Peut-être pas autant que les. C'est ce que je suis en train de dire. Que ce n'est pas forcément parce que tu es l'entraîneur du champion que toi-même tu es le champion des champions. Ah ouais, pourquoi le champion des entraîneurs. L'entraîneur du champion, mais pas le champion des entraîneurs. Mais quoi que le chien du président, c'est le président des chiens. Donc il a des motards. Mon frère, non, qu'est-ce que tu crues? Quel chien va embêter le chien du président? Toi-même, tu veux le chien du président passer. Toi-même, tu es quel chien? Et tu ne connais pas Carrefour de chat? Par exemple, les chiens de la reine Elisabeth. Quel chien en Angleterre va aller embêter le chien? Un peu de respect. Quel chat sur cette terre va embêter le chat de la guerre faite? Que quoi? Tu cherches quoi? C'est des amitiés. C'est le chat le plus riche au monde. À propos de la reine, il paraît que quand on a vu ces chiens, les chiens là où il a côté, beaucoup sont allés en chercher. Pour les garder. Le jour de ses obsèques, on a montré les chiens à la télé. Ils participaient au funérail. Vous voyez donc, quel chien? Quel chien a participé? Au funérail de son maître. Non, ils étaient soft. Les animaux ne sont pas si bêtes, franchement. Non, c'est vrai. Mais je ne refuse pas, mais pas. Ils étaient bêtes. Dans quelle famille lambda, le maître. Ça dépend du chien de la famille, c'est vrai. Non, tout chien a quelque chose de. Oui, je refuse pas. Mais à force de trop de pattes. La patte s'assoit sur l'intelligence. Trop de pattes, ça tue là. Les animaux domestiques, ceux avec lesquels nous sommes habitués là, ils ont quelque chose de singulier. Non, c'est pas faux, ça c'est vrai. Moi, mon chien, mon ex-chien, il n'est plus. Devrais-je dire. Comment il s'appelle déjà? Ce cerveau qui ne serait pas content de moi. Mon ex-chien. Chase est devenu S. Oh, depuis quand? Il faut dire mon ancien chien ou bien le chien que j'avais avant. Mon ex. Ton ex. Tu m'envoies où là? Je n'ai pas dit mon ex de chien. Je n'ai pas dit mon chien de ex non plus. De toute façon, tu te caches. J'ai dit mon ex-chien. C'est un chien dans le passé. Les gens sont passés par là. Bref. Donc. Arrêtez, le débat n'est pas là. Il se comportait. Il s'est oublié. Il était tout sauf un chien. Ah bon? Non, il était tout sauf un chien. Tu penserais que c'est un mouton. Un vrai toutou. Ah, lui, il vient à la maison, le chien aboie. Il dit ton chien aboie. Le jour, il a fait wouf wouf. Il a dit wouf. Donc, il aboie. Ton chien aboie. Il est cool. C'est nous-mêmes qui l'avons. On l'a trop gâté, on l'a trop choyé. On l'a trop gâté. Les étrangers viennent, ils dansent avec l'étranger avec la queue. Ils disent, c'est quel genre de choses ça? Mais il y en a un autre. Pour ceux qui pensent qu'il y en a plus, il y en a un autre. Mais il est trop méchant. J'ai acheté méchanticine et puis on lui a injecté ça. Alors, Chase, quand il fait des conneries, il sait qu'il fait des conneries. Quand tu le chauffes, il sait que tu le chauffes. Ouais, c'est ça. Donc, comment j'ai remarqué? Les yeux, il tourne les yeux d'une manière, le globe. Quand il se sent coupable, quand il est coupable, et que tu le chauffes,
Et vous, on a dû les parler. Oui, il fait baisser la tête comme ça. Exactement. Et puis quand tu vois, quand il lève un peu la tête, Jean, pour te voir, c'est il y a quoi. Il te regarde avec des yeux, les yeux sont... Il tourne les yeux, les gens, la même manière que l'humain fait. Il tourne et puis je lui dis, ce que tu fais là, je vais te donner, tu vas aller dans une cassette. Il comprend, quoi. Je le menace. C'est comme si... Et le fille au pot, quoi. Et là, quand il déconne et qu'il te voit venir... Mais toi, tu vas essayer. Il cherche à se cacher. Oui, oui. Attends. Oui, non, non, non. Les chiens, c'est pas trop bête. Ouais. Nos chiens à la maison, ils n'ont peur que d'une seule personne. C'est de moi. Toi. Quand ils déconnent à la maison, tout le monde peut parler. Ils sont là en train de. Mais dès que moi, je pointe ma tête, tu le vois à quatre pattes. Tête, ouais, bien sûr. À quatre pattes, vouloir rentrer sous la terre. Il y a qui a cette tête à la maison. Clair, on peut si pas, tu n'as pas peur d'un humain qui a la même fourrure que toi. Si chien va pas avoir peur de humain qui a la même fourrure, le même pelage que... Tu vas avoir peur de quoi? On peut faire ça. Je lui ai fait ça. Elle apparaît, mais à la maison, Chez était un mouton. Merci d'appeler mon chien mouton. Ah ben, il faisait bien, non? Oh, un très bon chien. Bon. J'aime pas trop qu'on traite les moutons de bêtes, quoi. Quand vous dites le chef, c'est les animaux... Attends, excuse-moi, les animaux, c'est pas des bêtes. Ce sont des bêtes. Bêtes, c'est quoi? Bête, à la base, bête, ce n'est pas une insulte. Ah oui, mais quand on dit à l'individu que bête, c'est que au long, c'est l'enlève les gens. Oui, donc, bête, c'est pas. Donc, bête, c'est bête. Non, par rapport. Les animaux sont des bêtes. Elles sont bêtes. Les animaux. il peut arriver des fois qu'on dise aussi sur terre les animaux. Non, c'est parce que vous les comparez déjà entre eux. Vous trouvez que les moutons, par rapport aux chiens, vous dites que lui, il est mouton. Et c'est un mouton. Un mouton, c'est un mouton. Un mouton, c'est pas un chien. Ça veut dire que le mouton est encore. Je ne sais pas s'il faut dire pire. Plus bête. Voilà. Non. Oui, c'est des bêtes. Tous, c'est des bêtes. Vous savez que... comment on va vous savez... qu'est-ce qui te fâche? Vous savez que le mouton, c'est là où on le tape, il revient toujours là-bas. Il se dit qu'il y a la nourriture. C'est parce qu'il y a la bonne chose là-bas qu'on le frappe. Là-bas. Donc, c'est plutôt intelligent. Non, ce n'est pas intelligent. Donc, quand on trouve un animal, bien un chien, est une bête. Tu te non, fâches. Non, est-ce que moi, mon chien, je l'appelle. C'est pas une bête. Bah, je ne l'appellerai pas son prénom, quoi. Enfin. Je ne le fiche pas. Mais oui, ça n'empêche pas qu'il soit une bête. Quand on vient, on dit, mais. Et votre chien est à la niche, je dis non, c'est pas mon chien. Il est dans sa maison. Vous demandez si Tex est à la niche ou pas. Tex, là, c'était pas un chien. Attendez, on va... J'ai dit Tex, là, c'était pas chien. Non. C'était quoi? C'était Tex. Tex, le chien, en fait. Non. Et Tex, c'était quoi? Avant qu'il ne vienne chez moi, peut-être qu'il était... Un chien. Voilà, mais à la donc, maison... Depuis qu'il arrive chez vous, il n'est pas Tex, chien. Voilà, il non, en temps, il a changé de catégorie de race d'animal. Ah, il n'est même pas animal, hein. Je suis sûr que lundi, j'aurai encore beaucoup de monde qui vont... m'accoster à l'école de mes filles pour dire que votre tonton là. Si le seul dans le monde, nous, on ne peut plus voir nos familles. Hein. Lundi à l'école de mes filles, c'est ce que j'ai eu comme réaction. Oh, si le seul dans le monde, on ne peut plus avoir de famille. Hein. Non, on peut avoir de la famille, mais moi, tout ce que j'ai fait, c'est l'encombrement, c'est tout. Chacun a caressé. Chez lui. Non, mais il a eu beaucoup de... Non, pas chez lui, chez soi. Des supporters. Ouais, chez soi. Il y a des gens qui étaient d'accord aussi. Oui, voilà. Je le vois pas. Oui. Le problème, c'est parfois, ça t'encombre, c'est tout. Oui, chef. Bon, et puis, il y a un chien. Surtout que le chien n'est pas une bête. Mon micro, qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire du sport aussi. Ouais, comme je suis assise là. Normalement, aujourd'hui, la position n'est pas à la position assise. La position est la position bouger. Bouger beaucoup. Donc, mon micro même, il refuse que je sois assise. Donc, je vais voir si je m'assois encore, si le micro refuse, je vais me lever. Et d'ailleurs, je me suis levée. Donc, ce qu'on dit... Aujourd'hui... Donc, elle marche pour tout, elle marche pour tout le monde. Hein. Et là, il y a... Du coup... La marche... À pied. Non, non, pas à pied. La marche... À pied. Qui a lieu actuellement sur les femmes du palais des congrès. Est-ce que vous êtes sûr qu'elle a commencé? Ah. Donc, on a dit le micro a des problèmes, elle continue pas à parler, elle dit donc. Attends, on va faire comme ça. Il n'y a pas de micro. Donc, ce dont je parle, c'est-à-dire que comme mon micro a des problèmes, je parle dans le micro du cerveau. Et on va suivre tout de suite la minute perdue. J'espère que le mien marche. On va suivre la minute perdue, le temps qu'il récupère et il arrange mon micro. Absolument. À tout de suite. Ouais. J'étais comme chez le dentiste.
Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Monsieur bonjour. Bonjour. Première question. Quelle est la lettre commune à tous les mois? M. C'est la lettre R. La lettre R. E. Il y a E dans mars. Ah oh non, c'est plutôt la lettre A. A. Il y a A dans décembre. A few moments later. Il n'y a aucune lettre. Non, pardon, pardon. La lettre M. La lettre A. Est-ce qu'il y a A dans décembre? Non. R se trouve où en mai? Il n'y a pas de R en mai. Pourquoi M? Tous les mois, ça commence par M. Mm-hmm. Non, le mois de janvier, moi, c'est M. Okay. Le mois de février, moi, c'est M. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Bien, et vous? Je vais également bien. On va jouer avec vous ce matin. Trois questions comme d'habitude. Est-ce que vous êtes prêts? On peut y aller? Oui, oui, oui. Super. Première question. Un médecin s'est occupé de plus de 1000 patients. Pourtant, aucun ne l'a remercié. Pourquoi? Parce qu'ils sont décédés. Un médecin s'est occupé de plus de 1000 patients, pourtant aucun ne l'a remercié. Pourquoi? C'est parce que c'est son métier. Parce qu'il fait son travail. C'est vrai qu'il fait son travail, mais on peut toujours lui dire merci. Non, pourquoi ne pas l'avoir remercié? Ok. Selon toi, un patient qui rentre à l'hôpital peut sortir de combien de manières? D'une seule façon. Ils sont guéris. Vivant ou bien mort. Voilà. Vivant ou bien mort. Dans quel cas, il peut ne pas dire merci? S'il est mort. Donc pourquoi les plus de 1000 patients n'ont pas dit merci à ce médecin? Parce qu'ils ne sont plus vivants. Voilà. Tu es d'accord qu'on peut aller à l'hôpital et ne pas ressortir vivant? Oui. Donc, un patient qui arrive à l'hôpital peut sortir... Attends, calme-toi. Un patient qui arrive à l'hôpital peut sortir de combien de manières? De deux manières. Voilà. La première et la deuxième. La première, il peut avoir la satisfaction. La deuxième, il peut ne pas sortir, il va mourir. Voilà. Et donc, pourquoi les plus de 1000 patients n'ont pas dit merci? Ils sont tous morts. Voilà, c'est parce qu'ils sont tous morts. C'est bon? OK. Deuxième question. De quelle couleur est la boîte noire d'un avion? Elle est noire. Blanc. Vous avez déjà donné la couleur, c'est noir. Non, elle n'est pas noire. La boîte noire d'un avion n'est pas noire. Mais la couleur de la boîte noire est le nom d'un fruit à pépins que nous aimons ici. Orange. Rouge. Quel fruit on appelle rouge? Fruits rouges. Il y a les fraises qui sont rouges. Mais on appelle ça fraise. Il y a un fruit qui porte le nom d'une couleur. Un fruit à pépins. Orange. Voilà. Elle est de couleur orange. La couleur de la boîte noire d'un avion, c'est le nom que porte un fruit à pépins que nous aimons ici. La mangue. La mangue, c'est une couleur. La pomme. La pomme n'est pas une couleur non plus. Je dis, le nom du fruit, c'est le nom d'une couleur. Orange. Voilà. C'est la boîte noire d'un avion est de couleur... Orange. Merci beaucoup. Allez, troisième et dernière question. D'accord. Un autobus part de Kara vers Lomé et roule à 100 km/h. Au même moment, un autre autobus part de Lomé en direction de Kara à 200 km/h. Quand ils se croisent à Blita, lequel sera plus proche de Lomé? Le premier, s'il vous plaît. C'est celui qui a quitté Kara. Le premier. Ferme-moi. Lequel est plus proche de Lomé? Lomé. Et celui qui a quitté Lomé. Pourquoi? Puisque lui l'a quitté à Lomé. Il est arrivé à Blita. Oui. Bon.
Il est proche de l'ONU. Et au même moment, l'autre aussi a quitté Kara. Il est arrivé à Blita. Les deux sont arrivés à Blita au même moment. Oui. Celui qui a quitté... Bon, je sais que c'est celui qui a quitté Lomé, selon moi. Non, c'est pas celui qui a quitté Lomé. Enfin, c'est pas que celui qui a quitté Lomé. Ils sont arrivés tous les deux... À Blita. Donc, le nombre de kilomètres qui sépare Lomé de Blita sera le même pour les deux ou pas? Oui, sera le même. Donc, les deux qui se retrouvent à Blita, quand ils se croisent, quand les deux autobus se croisent à Blita, qui sera plus proche de Lomé? Celui qui a quitté Lomé et celui qui a quitté Kara sont tous deux proches de Lomé. C'est les deux. Un bus quitte Kara vers Lomé à 100 km/h et l'autre quitte Lomé vers Kara à 200 km/h. Quand ils se croisent à Blita, lequel sera plus proche de Lomé? Mais c'est les deux. Oh yeah. Allez, merci beaucoup. Merci monsieur. Bonne journée. Merci à vous. Oui, une ville. C'est vrai, je n'aime pas ça. Okay. Non, sérieux, cette affaire de... Tu mélanges les gens. qui a quitté Lomé, Kara, qui a quitté Kara, à 100 km, qui a quitté quelque part. C'est à propos de ville, je sais que c'est à propos de ville, que j'ai dit, quelle est la ville multiséculaire qui porte son nom, son âge comme nom? Multiséculaire, qui a plusieurs siècles. Multi, c'est plusieurs, séculaire, c'est siècle. Voilà. Même si j'aime 50 fois, je fais le... Qui porte son âge comme nom. C'est une ville en Afrique? Non, ce n'est pas en Afrique. États-Unis, Amérique. C'est une ville dans le monde. L'Afrique n'est pas dans le monde. L'Afrique n'est pas dans le monde. Il promène les gens, j'ai voulu le promener. C'est une ville, je vais vous aider. Hein. Une ville européenne. Européenne. Je vais encore vous aider. Et chaque fois que je vous aide, c'est 2500 de moins. C'était 5 000. Sinon, là-bas, c'était 25 000. C'était 5 000. Donc, si tu aides encore, c'est fini ça. C'est clair. C'est une ville italienne. Ah, ok, Mia ville loin. Ouais, tu sais. Yeah. Essayez, je vais voir après vous. Avec Galaterie. Ça, vous n'êtes pas, vous vous retrouvez toujours pas. Attendez, si. Attendez d'abord. Non, pas Rome. Quelle est la ville italienne qui finit par an? Milan. Milan. Mais ouais, Milan. Mais ouais. Mais Milan. C'est à 2h du matin. C'est ça, aujourd'hui, tu t'es réveillé à quelle heure en fait? C'est inspiration de 2h encore, ça. Non, je sais pas, on y est. Une étoile. Essaye d'aller jusqu'à 4h au moins. 4 ou 5 heures. Milan. C'est pas fou, c'est Milan. À 18h, il est au lit. Oui, c'est vrai. Et c'est ça qu'on récolte après. À 2h du matin, voilà. C'est des trucs comme ça qu'on récolte après. C'est vrai, pardon, fou. Donc, même si tu vas au lit à 18h, pousse un peu avec 4h, c'est pas grave. Tiens. Jusqu'à 6h, même, tu peux. Bon. Je mettrai en exécution cet ordre. Cette injonction, ouais. S'il te plaît. Allez, on va se chauffer un peu. Moi, je n'ai plus besoin d'échauffement, puisque si. Oui, bon, moi, j'ai fait du sport. Non, non, échauffement physique, ça, c'est ce que tu as fait maintenant. Échauffement cérébral. De la matière grise, cérébrale. Voilà, ouais. Est-ce que vous pensez que les femmes, c'est-à-dire pour ce qui se passe aujourd'hui, on parle du genre, égalité des genres, est-ce que les femmes doivent faire tout ce que les hommes font? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit amener les femmes à faire tout ce que les hommes font pour l'égalité des genres? Est-ce que les hommes doivent faire tout ce que les femmes font? Souvent, c'est... Non, oui, voilà. Non, c'est plutôt les femmes doivent faire tout ce que les hommes font. Parce qu'en général, pour équilibrer, on pense qu'il faut que les femmes fassent ce que les hommes font. Souvent, c'est ça. On ne demande pas aux hommes, forcément, oui. Quoique, ça arrive parfois, mais bon. En général, on demande aux femmes de... Ouais. Est-ce que vous pensez... Voilà, on veut les voir, voilà. Est-ce que vous pensez qu'il faut... qu'elles fassent tout. Bon, déjà, si elles peuvent commencer par faire pipi, comme si comme garçon fait pipi, non, ça, bon, ça, c'est des... Les hommes aussi ne peuvent pas faire comme elles font. Donc, donc on ne peut pas demander que quelqu'un fasse exactement comme l'autre fait. Mais, oui, mais est-ce que vous pensez... C'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on recherche. Mais moi, pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Voilà. Le plus important, c'est que quand hommes et femmes font un même métier et qu'ils ont le même niveau d'études, le même diplôme, par exemple. Qui gagnent même salaire, c'est ça le plus important. Mais dire que égalité hommes et femmes... On fait la même chose. Ouais, hommes et menuisiers, donc femme doit forcément être... Si une femme se sent capable d'embrasser le métier de menuiserie, pourquoi pas? Mais on ne va pas chercher forcément à envoyer les filles là-bas
parce qu'on veut équilibrer, on veut équilibrer les choses. Oui, mais ce n'est pas ce qui se passe. Oui, c'est ce que je dis, c'est ce qui se passe. Mais... C'est vrai, vous avez raison. Mais il faut le connaître. Mais ce n'est pas ça la lutte. Homme, physiologiquement, physiquement, est différent de femme. Exactement. Donc, il y a des choses sur lesquelles, bon, je pense qu'on ne faut pas trop pousser, forcer pour casser, quoi. Voilà. C'est une affaire de ne pas mettre des barrières à l'autre qui veut faire quelque chose parce que la personne est de ce sexe-là. Quand, par exemple, je suis... Tout le monde peut faire. Et Léonore également est apprenti maçon. Nous sommes... chez notre patron qui est Servais, et que moi, on me demande de transporter plus de briques de... ou de sacs de ciment. Au même moment, Léonore en transporte le quart. Mais à la fin de la journée, on va nous payer de la même manière. Je ne serai pas d'accord. Parce qu'on considère que j'ai plus de force, et donc je peux faire plus que Léonore. Maintenant, elle n'a pas assez de force. Pourquoi on veut l'amener forcément à aller dans un travail qui demande assez d'énergie? Peut-être, qu'à son niveau... Peut-être à son niveau, dans le travail, elle peut faire aussi, mais elle fait, puisque c'est forcément dans tout métier, c'est une chaîne de travail. Elle peut être au niveau d'une chaîne, être un maillon qui n'est pas le moins nécessaire, mais qui fait quelque chose qui lui convient à elle. Exactement. Dont l'action concourt à la réalisation complète de toute l'action finale. Voilà. Sinon, pour le sport, les activités physiques à l'école, pour le lancer de poids, on devrait harmoniser, donc, normalement. Harmoniser pour hommes ou pour femmes. Si on exigera que tout le monde... Vraiment, être dans cette histoire d'égalité hommes et femmes, voilà, on doit harmoniser. Si l'homme lance un poids de 5 kilos, la femme doit lancer un poids de 5 kilos. Non, c'est pas comme ça. Ça prend pas, ça prend. Parce que même pour le tennis, les grands chelems, je crois, les hommes vont jusqu'à 5, 7. Les femmes restent à 3. Voilà, donc, dans cette même logique, on ne doit pas chercher forcément... À amener les femmes dans les... Non. Si elles ne veulent pas, on ouvre la porte. Si une femme se sent capable de devenir chauffeur, on en connaît, pourquoi pas? On a reçu une dame aussi ici qui conduisait les poids lourds. Mais on ne lui fait pas obstruction parce qu'elle est femme, tu ne vas pas faire ci, tu ne vas pas faire ça. Hein. Si elle veut faire, on la laisse faire. Hein. Et qu'est-ce que vous pensez du fait que les femmes font beaucoup plus le football maintenant? Tout ça, c'est des affaires pour... Elise Jamie. Non, d'accord. bizarrement, ça ne prend pas vraiment. Hein. Les gens ne voient pas. C'est plutôt parce que les hommes ont tellement maîtrisé le foot que... Dans quelques siècles, vous allez voir. Ça dépend aussi du pays. C'est le traitement que les médias font de cette information qui fait que ça ne prend pas. La façon dont ils couvrent... la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde des femmes, ça a été mieux. C'est les médias, c'est la médiatisation qui ils ont mis ça en lumière et beaucoup ont suivi. Moi-même, je me suis surpris à regarder parce que je pensais que ça devait être. Ennuyeux, c'est le participe présent. C'est ennuyeux. Oui, c'est ennuyeux, l'adjectif, je crois. Mais je pense. C'est intéressant. C'est quand c'est bien filmé, comme pour les parce que même les matchs des femmes, on ne met pas autant de caméras que pour. Bien sûr. Oui, mais justement, c'est parce qu'il y a pas autant d'entrées, il y a d'entrée. Pas autant de sponsors. Oui, mais c'est parce qu'on estime que c'est pas flamboyant, c'est tout, c'est pas intéressant. Excusez-moi, même je crois que le président de la Fédération française de football, il paraît qu'il a fait des commentaires un peu sexistes là, par rapport au football des femmes. Bon, déjà, on va commencer. Quand on va avoir une femme présidente de fédération de foot aussi, ça ne sera pas mal. Il y a toujours Et puis, on estime que certains milieux, c'est des milieux d'hommes. Quoi. Les sports mécaniques, je crois que les femmes n'en font pas encore. J'ai jamais encore vu une femme dans Formule 1 ou GP. Les grands prix, là. Il n'y a pas version moto, femme. Il y a version femme. Voilà. Mais en amateur, il y en a plein. Il y a plein de femmes. Bien sûr, il y a des femmes qui vont en moto. Mais est-ce que le règlement interdit aux femmes de le faire d'y participer? C'est peut-être aussi l'amour de la chose ou le courage qui manque. Il y a des femmes qui aiment bien conduire. Oui, et qui conduisent comme des hommes. Par exemple, il y a un pilote français, son nom m'échappe. Fabien Quad. C'est GP Quattararo ou un truc comme ça. Vous savez qu'il n'a pas le permis, il ne conduit pas, il ne peut pas conduire en circulation. Lui, il ne conduit que sur la piste. Voilà, parce qu'il dit qu'il a peur de conduire en circulation. Il conduit quoi? Mais il est dans GP là, il est sur le circuit. GP là, ça ne fait pas peur.
Il non, dit que là-bas, que... il y a plus d'assurance. Oui. Il risque moins de faire accident. Avec le genou par terre. Voilà. Quand tu les vois, tu dis, éveillez vous, terminez-vous. Non, ils vont dans le même sens. Tu ne vas croiser personne. Tu ne vas pas croiser quelqu'un qui vient en sens. C'est ça, vous êtes tous dans le même sens. Ce qu'ils font là, ce n'est pas plus dangereux que celui-là, en tout cas. Et puis ils sont équipés, ils sont équipés. Il n'a pas comme ça, s'équiper sur la route. Oui, sur la route aussi, il y a un minimum d'équipement, mais pas comme sur les circuits. Donc il a peur. Oui, donc il peut avoir peur aussi. Oui, il n'a pas le permis, il ne conduit pas en ville, mais sur les circuits, il conduit sur les circuits. Donc c'est Fabien, je crois, Fabien, quelque chose qui s'appelle. Quattaro, quelque chose comme ça. Oui, c'est un peu ça. Là, on ne voit pas encore les femmes dans les sports mécaniques. Peut-être que ça va venir. Oui, avec le temps. Oui, avec le temps. Ouais, si vous cotisez, vous m'achetez une grosse moto. Parce que les motos, là, je les adore. J'ai demandé le prix. Je m'a dit... Et ça coûte cher. Ça aussi. Coûte très cher. Ça coûte cher en deuxième main ici. En deuxième main ici. On devait avoir une seule moto à plus de 8 millions de francs. Ouais, ouais. Moi, je vois souvent... je vois souvent les femmes sur les grosses motos comme ça, mais elles sont derrière. J'en ai vu encore ce matin. Non, mais il y en a mais une... grosse, c'est pas la plus derrière. Non, elles conduisent. Il y a une Nigériane qui a une grosse moto là, qui a même fait un circuit du Nigeria au Ghana. Non, les femmes conduisent. Peut-être qu'on ne les connaît pas. La prochaine, c'est moi. Cotisez seulement, je m'achète la moto, vous allez voir. Et Gabé Nyaïni. C'est vrai que tous les cyclistes, j'ai pas encore vu un tour cycliste. Elles font en France. Elles font en France. En France, le tour cycliste, le Tour de France, il y a la version féminine. Ils ont commencé il n'y a pas très longtemps, la version féminine. Cette année, ils ont encore mis ça en lumière. Ils ont vraiment mis la lumière. Non, moi, je suis d'accord. Les femmes... Elles pourront faire, mais si tu le sens, quoi. Faut pas le faire pour le faire, pour le plaisir. Moi, je me dis si c'est... par rapport au foot féminin, si c'est dans l'optique égalité hommes et femmes, il ne faut pas faire deux matchs. On a quand même c'est une équipe mixte. Une équipe mixte, garçon, femme. Non, c'est rien. Partir sur équité, genre, égalité hommes et femmes, c'est une équipe mixte. Par exemple, les éperviers du Togo, retrouve tant les femmes que les hommes. Non, le problème, c'est que au niveau de la performance, les femmes sont un peu plus limitées. Donc, la raison est là-bas. Égalité hommes et femmes, là, c'est pas au c'est niveau... C'est l'équité qui envoie l'égalité. On passe en fait d'égalité de droit. Voilà, égalité de droit. Quand on parle d'égalité, c'est en droit. Par exemple, me dire que les éperviers femmes doivent gagner les mêmes sommes que les éperviers hommes, je suis d'accord. Mais là aussi, ça peut poser débat. Est-ce que le travail, les performances de l'équipe femme, l'équipe féminine ou bien, est-ce que ces performances attirent autant d'entrées que les performances de l'équipe masculine? C'est ça le problème. Bon, donc il faut tout faire pour que tous les problèmes de la terre, il faut tout faire pour que ces performances-là attirent les mêmes entrées. Et bien, la terre a trop de soucis. Actuellement, il prépare la COP 27. Il faut une COP en RDC. Vous savez ce que c'est que les COP, non? C'est la rencontre pour l'environnement, là où tout le monde prend avion et puis beaucoup de personnes prennent avion. On va bien avant d'arriver. Et puis on réfléchit sur l'environnement, on prend des mesures que tout le monde respecte. C'est Covid qui a permis à l'environnement de souffler un peu. Et pendant qu'on prend des mesures que tout le monde ne respecte pas toujours, l'environnement continue à se dégrader. Et donc, bref, on va souffler tout de suite. Non, tu sais, à propos d'égalité, le truc là, vous savez qu'on essaie de faire jouer. De demander aux garçons de jouer avec les poupées et aux filles de jouer avec les voitures. Ouais. Ça ne prend pas. Il y a eu une étude là de Institut national d'études démographiques. 80%, plus même, 80, plus de 80% des garçons continuent de jouer avec les voitures et plus de 80% des filles continuent de jouer avec les poupées. Je pense que c'est un truc naturel, en fait. Tout à fait. Donc, je ne sais pas. Et c'est récent, l'étude, là. Je crois que c'est sorti cette semaine. Et on disait que les stéréotypes ont la vie dure. Non, c'est pas que ça, la vie dure. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Je ne sais pas. Oui, je crois que parfois, c'est pas la peine de chercher. De fausser les choses. Ça ne prend pas. Et ça, c'est sur... l'étude a commencé en 2011, et il y a eu ils veulent aller jusqu'à 20 ans, quoi. Ils ont commencé même avant. Mais voilà, mais ils ont mis certains de 2011. Ouais. Ils ont vu que ça ne prend pas. Plus de 80%. Ça ne prend pas vraiment, quoi. Commençons par l'égalité de droit, déjà. Ça va s'asseoir, ça va se poser, ça va venir de soi. Allez, on va faire un tour encore au sport, ou bien, le vieux ils sont là.
sont là. Les gens attendent de partir. C'est moi, je le micro, hein. Mon espérance, c'est ça, je suis en train de sauver. Faut me faire 10 pompes. Voilà, 10 pompes. Oh, 10 pompes. Ah, c'est seulement ça. La même tenue que les gens. Voilà les gens. On est là en direct. Voilà les gens. OK. On va marcher. On parle du palais des congrès de Lomé. On va passer par le commissariat central. On va repasser par le CASEF. Et puis après, on va repasser par le. On va arriver. Donc, vous retrouvez. Voilà, voilà les gens. 5 km à pied. OK. Ah, docteur Vovo, professeur Vovo. 5 km à pied. Allez. 5 km à pied. Et si moi, je voulais 5 faire 5 km à 4 fattes. J'aime marcher dans l'émission aujourd'hui, allez. Mouzo, kakare et tikoram. Oui. Oh. Rose. On va nous. On va nous. Vous allez mettre ça dessus. Ça va me faire toi. Raison. Ça va me faire toi, Zami. Et en plus, c'est un XL. On va vous passer le micro rapidement. On va vous passer le micro rapidement. Oui. Non, tu mets ça dessus. Alors. Tu mets ça dessus. Alors. C'est vrai. Pour ceux qui nous suivent, vous pouvez la retrouver rapidement au niveau du palais des congrès de Monsieur l'Esplanade. Ils ont déjà démarré. Je vous ai dit que ça passait à Ancien Onato, Pharmacie du Boulevard, Monte Cristo, Beaujardin, Caserne. Avant Beaujardin, pour Missera Central, vous passez par Tourette, vous ne passez pas par le commissariat. Christo, Flo Jardin, et puis au niveau du ministère du Commerce, là. Voilà. Oui. Et on vous l'avez donné depuis. On est là. Retrouvez, sortez de chez vous. Joignez le convoi. Entrez dans le convoi. 5 km à pied dans une initiative de l'association All for Change, dans cette volonté commune de réduire les risques de cancer. Octobre Rose, on y est. On accueille tout de suite encore, on accueille tout de suite, on les a déjà accueillis, maintenant on peut parler ensemble. Stéphane Ahuiti et docteur Adjenou. Venez, merci. Ouf, on a essoufflé, on a bien mignon, pas ça donne. C'est mon enfant qui dit, maman, pas ça donne. Docteur, n'y a pas de sport, n'y a pas. C'est comme ça, c'est pour ça que vous êtes autant jeune. Allez. 5 km à pied. Donc, docteur, vous allez faire. Pourquoi est-ce qu'on doit faire le sport dans la prévention du cancer? Prévention du cancer parce que la sédentarité. C'est pas une bonne chose. Selon les études, la sédentarité est un facteur de risque pour le cancer. Alors, on va faire ça. Là, c'est bien ménagé. On reste. Assez ensemble là-bas. On a ramené des pinces. Oui, mais bien sûr, il faut qu'on les mette. Super. Octobre rose. Lisse. Pour une fois, je pèse lourd. j'ai trois avis. Tu as trois avis. Oui, oui. Pour une fois, tu pèses l'ouvre. Vraiment. Ouais, ouais. Alors, on va faire le point tout de suite de où on est. Oui. Où on en est dans cette lutte commune que nous faisons depuis toujours. On va faire le point. J'espère que je n'ai pas muté le micro encore. Le micro marche. C'est bon, ça vient. Super, merci beaucoup. Alors, docteur Rosa, bienvenue. Oui. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Stéphane Ahuiti, bonjour de nouveau. Cette marche-là, ça fait la quelle fois? L'année dernière, Eleonore, il était bien. Ça fait la quelle fois qu'on a fait la marche?
pour les marathons, Dr. Rose, je pense qu'on était dans la cinquième édition. C'est la cinquième édition. On l'avait organisé seul, la toute première, la deuxième fois. Mm-hmm. Et on a organisé ça avec Richis, deux années consécutives. Et maintenant, et la cinquième édition, nous avons eu et l'association Entre-Change qui est venue vers nous pour nous organiser. Je pense qu'il y a beaucoup d'avancées dans ces marathons, bien dans l'Octobre Rose, une solidarité agissante aujourd'hui. On a vu des jeunes sortir beaucoup et par rapport aux années antérieures. Donc je pense que ça vient petit à petit. Et les grandes causes commencent par le premier pas et petit à petit ça devient un grand succès. C'est cela. Alors, docteur Adjenou, vous nous disiez tantôt que la sédentarité est incriminée. Au-delà d'avoir un événement qui rassemble les foules, peut-être pour passer le message de sensibilisation, l'activité en elle-même est très conseillée, l'activité physique est très conseillée dans la prévention du cancer du sein, bon, dans les autres maladies non transmissibles. Expliquez-nous. Oui, la sédentarité, voilà, c'est que la personne ne fait aucune activité physique, elle est sur place, ou du moins, elle se déplace, mais les mouvements actifs ou bien les mouvements physiques ne sont pas conséquents. Mm-hmm. Peut-être à peine 500 mètres par jour, c'est vraiment très limite, ou bien à peine 5 minutes de marche, 5 minutes d'effort par jour, ça, ce n'est pas conseillé. Et d'aucuns diront, comment je vais faire? Tout simplement, ce qu'on demande, que chaque jour, chacun fasse l'effort de faire une activité physique pendant 30 minutes. Mm-hmm. Maintenant, on va dire quelle activité on demande seulement. Si chez moi, je fais le ménage, je balaye, je nettoie, je bouge tout le temps chez moi, est-ce que c'est de l'activité physique, ça? Parce que je bouge, vous avez dit de ne pas être sur place. C'est moi, je nettoie les carreaux, je nettoie le sol, je fais ci, je prépare, je vais au marché, je bouge, non? Ou bien c'est pas ça? Ça vous compte bougez, pas? Ça aussi, ça compte. Non, je ne dirais pas « mais ». Mais il faut que ça soit continu. Je suis sûre, personne ne nettoie les carreaux chez lui tous les jours. Bon, donc, une fois en passant, mais l'activité physique qui est recommandée et qui est favorable pour notre santé, c'est les 30 minutes-là de façon régulière tous les jours. Consacrées au sport. Au sport. Je dis, dans le mental, même on sait qu'on fait du sport. Oui. Comme ça, la circulation du sang est mieux. Le flux sanguin dans tous les niveaux du cœur est plus favorable au bon fonctionnement des cellules de l'organisme. Ça veut dire que quand vous faites le sport, vous augmentez le battement de votre cœur. Et une fois que le battement du cœur augmente, c'est le flux sanguin que vous envoyez vers les autres organes qui sont augmentés et qui améliorent le fonctionnement de tous les organes du corps. Donc maintenant, quand vous dites que vous faites la pâte ou bien vous bougez, là, quand tu fais la pâte, tu es debout. Mais tu ne fais pas bouger tout le corps. C'est peut-être ton bras seulement, les bras seulement. Bon, quand on a tellement fait la pâte quand même que c'est pas grave. Donc, quand on dit de faire les activités physiques, c'est vraiment un temps consacré à l'activité physique. Et de façon régulière. Ce n'est pas que je reste dans mon coin et puis une fois le samedi ou le dimanche, je fais aujourd'hui j'ai fait le sport et j'ai rattrapé les autres jours. Non, c'est comme si tous les jours tu te brosses pas les dents et puis une fois et le dimanche tu te brosses les dents pour tous les autres jours. Ça ne marche pas. Très illustratif quand même. Donc, il faut le faire de façon régulière, de façon continue. C'est clair, l'activité physique est très, très bénéfique. Et ce qu'on commande pour nous, les femmes, surtout pour les femmes, la marche. Juste la marche. Bon, je sais que les Togolais font des efforts maintenant. Ils ont le vélo de chambre. Les choses là, si tu te trompes et que tu as ça, tu n'utilises pas. Je parle en connaissance de cause. Elle a ça. J'ai tout, mais je n'utilise rien. C'est comme ça. Non, sérieusement. Mais quand tu l'as pas, tu te dis, ah, on est deux temps là. Au moins, s'il y avait un vélo de chambre, si c'est au pied du lit, quand je descends, fio, zéro. Après, tu dis, non, comme c'est les fois. Au moins, si j'ai ce truc-là, fio. Après, tu te dis, au moins, le tapis, agneau, même au salon, tu déposes ça au salon, tu regardes la télé, mais tu marches. C'est au salon le tapis, mais les gars, je regarde la télé. Voilà. Non, sérieusement. Donc, il faut vraiment la marche. Celles qui sont au marché,
quand vous finissez le marché, mm-hmm. choisissez le temps où vous devez quitter vos étalages mm-hmm. et choisissez une distance que vous parcourez. Avant de prendre le taxi. Avant de prendre le taxi ou le Zemidjan, mm-hmm. quand vous êtes vraiment loin de la maison. Autrement, si vous pouvez marcher... Pour rentrer même, ce serait bien. Il le faut. Je donne cet exemple d'un monsieur qui... Bon, c'est le diabète cette fois-ci, mais on devait lui couper le pied parce que oui. les artères sont bouchées. Et ce monsieur, il a réfléchi et il s'est mis au sport. Il s'est mis au sport tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et au finish, le docteur a dit, non, on ne va plus couper le pied parce que la vascularisation, les artères qui étaient bouchées, se sont débouchées. La vascularisation a régularisé et le pied est redevenu normal et rien n'a été coupé. C'est pour vous dire que le sport a un gain bénéfique. Le sport apporte quelque chose à l'organisme. Vous ne le voyez pas comme ça, mais votre organisme même tire des profits. Et aussi le cerveau, surtout quand l'âge avance, le sport est bien pour le cerveau, pour ne pas trop oublier, pour ne pas se perdre dans ce qu'on cherche, non. Avec le sport, le cerveau aussi est bien vascularisé. Est bien irrigué et puis voilà. tout ça. Et puis quand le stress, quand vous faites le sport, après une séance de sport, vous vous sentiez plus vivre encore. Je dis, il y a une joie de vivre, c'est-à-dire que, alors que dans le cancer, tout ça est incriminé, hein, les stress, les machins, alors que le sport concentre un peu de tout, cerveau. Oui, lui, c'est un grand sportif, hein. C'est du quai de karaté. Non, mais il fait beaucoup de marches. Oui, je sais que cerveau marche beaucoup. Cerveau marche beaucoup. Pour brûler la graisse, entre autres, c'est important. C'est ce qui fait que je suis comme ça. Mais il y a une collègue qui disait qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle sent le palu. Et j'ai dit, point de compris, elle dit non, qu'elle va aller faire le sport. Et effectivement, bon, je ne sais pas si elle a pris le compliment après, mais elle a dit qu'après le sport, souvent, quand elle sent un peu le palu, après le sport, ça passe. Enfin, oui, ça va. Oui, ça c'est va. Elle qui décrète que ce n'est pas lui. Bon, elle sent une méforme. Oui, bon, c'est vrai, c'est possible. Oui, tout à fait. Oui, oui, elle ne se sentait pas bien. Elle disait, mais après, elle a fait le sport. Elle me dit non, que souvent. Peut-être que ce n'était pas le palu, effectivement, mais elle s'est sentie mieux chaque fois que... Non, non, le sport, c'est très important, c'est vrai. On ne va pas discuter, il n'y a pas de débat non, sur tout et ça. Et même vous-même, quand vous faites le sport, vraiment, après, bien, quand vous revenez, on se sent vous avez l'impression bien. Que vous avez pris chacun de vos organes et tout, et vous avez nettoyé. Vous êtes léger. C'est... Voilà. Chambre, tu sens content, que c'est bien aéré, c'est propre, c'est bien, et ça fait bon vivre. Même chose pour l'organisme, quand on fait le sport de façon régulière, ça apporte un bénéfice. Donc, ce n'est pas une affaire de... oui, vous pouvez... Aujourd'hui, il y a un effort qui est fait. Bon, les gens ont trouvé l'idée d'entrepreneuriat, d'ouvrir un peu des salles de gym dans tout le quartier. C'est beaucoup plus proche des gens maintenant, les salles de gym. OK, c'est pas mal. On peut faire la piscine, tout ça, mais... Si vous n'avez pas le temps consacré à ça, si vous n'avez pas les moyens, la marche quoi. Et l'avantage Top. De les salles de sport, c'est bien aussi. Mais l'avantage de le faire dehors, c'est que vous avez le sol n'est pas plat. Parfois, vous avez des collines, des montées. Vous avez, et vous faites plus d'efforts sans le savoir. Oui, quand c'est une vrai. Pente comme ça, là, à monter la pente, et après, vous descendez. Oui, vous descendez. Et puis, vous prenez de l'air, vous promenez. Ce qui est bien, c'est en fait, si vous avez de la compagnie... C'est peut-être l'aspect là, tu es dans la nature, tu te promènes, il y a le vent naturel qui vient. Mais sinon, en salle de sport aussi, ils ont ils d'autres peuvent méthodes pour niveler... pour que tu ailles en montée, haut, que tu descendes aussi, ils ont... Mais c'est bien, quand vous êtes dehors, là, tu ne sens pas que tu fais du sport, quoi. C'est que tu prends du plaisir, tu te promènes, on le dit ça, et puis voilà, tu as tous les effets. Et donc, les gens se sont mobilisés hein, pour cette activité. Le message, il passe encore et toujours. On pourra vous donner encore des images de l'arrivée de cette marche pour la cause du cancer du sein. Alors, tout de suite... Servet va nous rejoindre pour... On va vous proposer un sujet. Hein. On va vous proposer un sujet. Niam, quoi, Mickey, que je vous ai vu. Tambour, après, on va se parler, d'accord? Que quoi? On va bien se parler même. Il y a un sujet. J'ai dit que j'allais parler à celui que tu as vu tout de suite. On allait parler après. Mais sinon, le sujet... Oui, c'est quoi? Il n'y a rien. Le sujet... Hein? Ah, ok, d'accord, ok. Il dit quoi? Non, d'attendre, c'est bon? Dédio, c'est d'attendre. Ok, d'accord, super.
le sujet. En attendant d'attendre. En fait, c'est un sujet qui, qu'on avait tourné il y a 9 ans, 2013, ça fait 9 ans, c'était en juin 2013. Ça a diffusé sur radio, quoi. Mais là, on a essayé de l'adapter un peu à la télé. Bon, ça ne va pas être ce que vous aurez souhaité, mais on fera avec. Et avec, pour ce sujet, on va essayer de faire le bilan. Et en bientôt 10 ans, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas, ce sujet, voilà. Et qu'est-ce qui, où est-ce qu'on en est? Et qu'est-ce que le Togo peut avoir maintenant? Et est-ce que le nombre augmente toujours? Bon, on va écouter ça attentivement et pouvoir répondre à certaines questions. Et c'est triste, bon, dans le sujet, il y a une voix d'une personne qui n'est plus. Et je crois que bon, on en parlera. On en parlera. Mais bon, globalement, on a commencé par en parler dimanche dernier, hein, Madame Docteur Adjenou et Monsieur Stéphane Ahuiti. Depuis le début de la lutte, bon, des avancées, mais très mitigées. Mais mitigées de chez Monsieur Mitigé. Même mitigé, même n'est pas étonné, parce qu'il se reconnaît dedans. Hein, Stéphane. Oui, il y a beaucoup d'avancées, mais ça dépend de l'avancée. On peut l'interpréter autrement. Chacun n'a qu'à, chacun a son, à sa manière d'interprétation. De voir les choses. Voilà. Mais globalement, on sent qu'il y a la lutte qui avance avec l'information, l'accès à l'information qui est déjà un fait. Et le dépistage rentre de plus en plus dans les mœurs. Et les femmes se décident à faire ce dépistage précoce. Bien vrai qu'il y a une mentalité qu'il faut encore changer au niveau de ces femmes. Il y a des femmes qui en voyant quelque chose d'anomalie, attendent jusqu'en octobre pour venir faire le dépistage. Ça, c'est une grave erreur. On ne peut pas attendre jusqu'en octobre pour trimballer une maladie qui prend de l'ampleur et qui va devenir fatale. Donc ça aussi, nous espérons que ça se changera par du temps. Et au-delà de ça, ce dépistage, je pense qu'il faut qu'on avance jusqu'à ce que ça soit un dépistage de masse, pas seulement à Lomé. Il faut qu'on puisse trouver les mammographes à l'intérieur du pays. Pourquoi pas commencer par les CHR, les centres hôpitaux régionaux. Mais il y a la possibilité, les autres pays le font, il y a les mammographes mobiles, si les structures sanitaires de l'intérieur du pays n'ont pas de mammographes installés, il y a la possibilité d'avoir des mammographes mobiles, non? Oui, ça coûte quoi, 4 milliards, 26 milliards, 200 milliards? C'est ce que je disais. Docteur Adjenou, c'est aussi cher que ça? Pourquoi le Togo n'en est pas? On n'a pas un seul Togo ou bien? On n'en a pas. On n'en a pas, oui. Il y a 6 ans, nous avons fait le projet pour aller voir des institutions. Une grande institution qui nous a dit, attendez, monsieur Ahuiti. Que c'est quelle affaire, ça? Je pense que ça va venir. Ça coûte combien? Ça cherche dans quoi? Un mammographe mobile. Je vais voir si je peux vous signer un chèque, mais après, il faut voir si la banque vous peut vous payer. C'est aussi cher que ça? Non. Il y a quasi même les plombs. Ça va venir. Donc, ce que pense aujourd'hui, dans l'immédiat, il faut que le dépistage... on puisse... Parce que si une femme doit quitter le Nord pour venir faire un simple dépistage... À Lomé, c'est pas gagné. Nous souhaitons que l'État puisse avoir un autre regard cette fois-ci pour que les centres régionaux puissent être dotés d'un mammographe, au moins. Et c'est très important. Au moins, si c'est même un par région. Par région. Par région, c'est déjà pas mal. Si ça existait, je pense que cette campagne que nous sommes en train de faire, chacun ira dans sa région pour pouvoir faire beaucoup de choses. Donc ça aussi, nous pensons que petit à petit, ça avance par ce dépistage, et ces dépistages qui rentrent dans les mœurs. Pour le moment, c'est à Lomé. Les gens envoient message là. Oui. Faites votre chose entre vous là-bas à Lomé. Mais ce qui... C'est ça, hein. Ils font leur chose entre eux ici à Lomé. Non, mais Lise. Dans toutes les régions. Mais si on fait marathon, moi, si j'étais en région, ce n'est pas pour aller contre la lutte. Hein. Si je suis en région et que vous organisez le marathon, je ne vais pas venir. Parce que je viens, je fais mon autopalpation. Il n'y a rien dans la région. Je vais faire grève, mais après, c'est moi-même qui vais payer quand même. Exactement. Non, sérieusement, il faut impliquer tout le monde. On est habitants du même Togo ou bien? Je pense que il faut garder espoir. L'espoir fait vivre. Je pense que l'espoir est permis. Il y a 10 ans, nous sommes à la 14e édition. Il y a 14 ans, si on me dit
que M. Ahuiti, aujourd'hui, ce qu'on a vécu aujourd'hui, on aurait amassé cette foule, j'aurais dit, ah, je suis Saint Thomas. Oui, c'est ainsi, je vais voir. Mais aujourd'hui, j'ai vu cette foule de jeunes qui sont dynamiques, passionnés d'être ensemble pour pouvoir célébrer cet Octobre Rose. Je pense que ça fait beau mon cœur. Est-ce qu'ils comprennent en fait l'essence même de la chose ? Ce n'est même, pas que même, de s'habiller en rose et de marcher. Non, hein. Non. Il faut la pas, pertinence de la chose. Ça va venir. Il faut prendre un peu goût. Petit à petit, ça va rentrer. Le gars là, c'est lui-même qui a l'espoir qui passe par ici. L'espoir est permis. Je pense que nous sommes en train d'avancer. Même pour le traitement médical de toutes les femmes qui souffriront du cancer. Dans peu de temps, je pense que nous verrons le bout du tunnel. Que ce soit nos collectes propres, que ce soit les projets des fondations. Je pense que chaque fois que nous parlons, les gens réfléchissent. Il faut qu'on garde l'espoir qu'un jour viendra, les cœurs seront touchés et que nous puissions, ensemble avec les décideurs, l'État, arriver à un niveau où on va se dire un jour que la lutte contre le cancer est effective au Togo. Je suis confiant, je suis engagé. Et je pense que... C'est ça, je dis, c'est toi-même qui est espoir qui passe. Là. Mais ça arrive. Quand on était venu en 2009 ici sur le plateau, vous pouvez me dire que et c'est tout le Togo. Avant qu'on faisait l'Octobre Rose, nous sommes l'association seule qui a initié, qui fait. Aujourd'hui, vous verrez presque partout les pharmacies, les associations, les institutions qui s'engagent. C'est déjà une bonne chose. Si, à moins que vous me direz le contraire. Un bon engagement, on est à Mouyano. Mais sinon, ou bien c'est vrai. Le traitement médical, je pense que c'est ça le problème le plus épineux. Quand on avait fait le sujet, je reviens au peu encore à ça, et vous avez dit que ceux qui souffraient du cancer étaient de plus en plus jeunes. Est-ce que ça a changé? Tout ça continue avec les jeunes? Madame, docteur Adjenou. Oui, je crois que c'était docteur Adjenou qui avait. Ceux qui souffrent du cancer, bon, on voit de plus en plus de femmes jeunes qui souffrent de cancer. Le constat est toujours le même. On voit que chez nous au Togo, de plus en plus de femmes très jeunes, 25, 30 ans, font. 25 Oui, font cancer de sein. J'ai une actuellement qui a 27 ans. Que sa maman amène, alors que sa maman n'a jamais eu de cancer, mais elle, à 27 ans, développe déjà son cancer. Et ça fait quelque chose. Et quand vous avez creusé qu'est-ce qu'il n'y a pas d'antécédent familial, non, c'est quoi? C'est la maladie de la malchance comme ça, c'est la malchance. Comme ça. Comme ça. Bon, c'est vrai que sous d'autres cieux, on aurait fait d'autres analyses, d'autres investigations pour vraiment avoir une cause, une raison pour que très tôt elle développe cette maladie. Mais bon, chez nous ici, on s'arrête au constat, on fait le diagnostic. Encore que pour le traitement, comme tu le dis, Liz, c'est parce que j'ai vu la maman, j'ai vu la dame. Elle n'a pas d'activité rémunératrice en tant que telle. Donc, le traitement là-bas, ça va être très, très, très dur. Très, 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 très dur. Moi, quand je les ai reçus, je crois que j'étais déjà le deuxième docteur qui sont en train de voir tout ça pour essayer de minimiser les coûts. Voilà. Parce que tu sens qu'il n'y a rien derrière. Et ça fait très mal, je le dis encore, des cas comme ça, ça fait très mal. Vous avez envie de taper à une porte pour que tout de suite la solution arrive, mais vous c'est êtes aussi démunis et puis il n'y a rien. Et comme on le dit toujours, l'espoir fait vivre. On essaie que bientôt, au Togo, les femmes souffrantes de cancer seront prises en charge. Est-ce que l'espoir fait vivre, mais est-ce que l'espoir fait vivre longtemps les malades de cancer qui ne se traite pas? L'espoir ne traite pas le cancer. C'est vrai que l'espoir ne traite pas le cancer. Ouais, l'espoir ne traite pas et le cancer. Voilà le vrai problème, là où il y a le bas blessé. Vous faites le dépistage. OK, vous avez fini par dépister qu'elle est atteinte de cancer. Et le traitement. La suite, c'est quoi? La suite. Donc, si je savais même pas que j'étais malade, peut-être que j'aurais vécu longtemps. C'est mieux. Bah. Et il y a deux aspects qu'on constate maintenant. Quand vous dites dépistage, les gens s'amènent.
tout en déjà connaissant le diagnostic. Mais au fait, ils sont venus pour voir est-ce qu'il y aura un traitement. Tu as une prise en charge, en fait. Aspect. Le deuxième, même si je venais et qu'on me fait le dépistage, on va me faire quoi? Je ne viendrai plus. Et donc, ce deuxième aspect fait qu'à la fin, les gens ne seront plus motivés pour faire le dépistage parce que derrière ce dépistage, il n'y a plus rien. Mais nous ne devons pas en arriver là. Nous devons dépasser cet espace-là. Une fois que la personne est dépistée, la personne sait automatiquement vers où se diriger pour être prise en charge totalement. Il faut qu'on en arrive un jour à cela. Autrement, toute cette lutte-là que nous menons au Togo n'aura rien. Ailleurs, quand on dit octobre rose, on sait que c'est octobre rose, les gens appuient sur le dépistage parce que ils savent que quand les gens font le dépistage, ils sont dépistés très tôt. Il y a des mécanismes de prise en charge. Et ces mécanismes-là, ce n'est pas très coûteux. C'est moins onéreux. Et donc, les gens insistent, la population, à faire le dépistage. Mais ici, ils font le dépistage, il n'y a rien. Donc, je trouve que ce n'est plus la peine de faire le dépistage. Et à la fin, notre dépistage au Togo va tomber à l'eau. S'il va tomber à l'eau. Alors, Servin, on va suivre le sujet. Et vous réagirez derrière. Vous allez réagir. Et il y a des moments un peu difficiles, mais bon, je crois qu'on sera courageux. C'est ça. J'espère ne pas. Ce sujet a 9 ans, mais il est plus actuel que jamais. Je crois, oui. On va voir ce qui a changé et ce qui n'a pas bougé. Le sein, il est demandé aux femmes de faire des palpations des seins quelques jours après le phénomène physiologique mensuel pour voir s'il y a une éventuelle anomalie. Et si évoquer les seins n'est pas forcément malsain, en parler semble tout de même chatouiller quelque peu. Vous ne faites pas les palpations? Non. Pourquoi? Non, pour rien. Je ne sais pas. Vous ne savez pas comment ça se fait? Non, je ne sais pas. Pas tous les mois quand même. Et pourquoi pas régulièrement? Souvent j'oublie. Oh non, moi, j'ai pas l'habitude. Bon, je sais pas que c'est une négligence, mais ça me vient pas à l'esprit de palper mes seins. Bon, je sais pas. Vous faites les palpations comme on le demande? Très rarement. Pourquoi vous le faites pas souvent? Bon, par oubli ou par négligence. Et vous savez comment ça se fait normalement? Bon, je ne pense pas savoir, hein. On parle beaucoup du cancer du sein maintenant et ça vous préoccupe? Ça me préoccupe, je suis une femme après tout. Et j'ai des seins. Une précieuse précision. Et pour la santé des seins, il va falloir s'y mettre. Docteur Rosa Djenou Atanlé, chirurgien gynécologue obstétricien. Toutes les femmes n'ont pas accès aux médias. Or, quand nous faisons nos sensibilisations, c'est sur ces médias-là. Donc, c'est l'information de proximité qui manque chez nous. C'est pourquoi on voit ces femmes qui sont encore non informées ou mal informées. Et pourtant, sans avoir des chiffres précis, on peut dire que les malades sont de plus en plus nombreuses. De nos jours, c'est vrai, il y a les contextes socio-économiques qui ont beaucoup évolué. Le stress dans nos villes, le manque d'activité sportive dans nos villes fait que ce phénomène devient de plus en plus important dans nos milieux. Les méthodes diagnostiques sont maintenant abordable à tout le monde et les femmes viennent de plus en plus se faire diagnostiquer. On remarque que de plus en plus, c'est des femmes jeunes qui sont atteintes. Pourquoi de plus en plus les jeunes? Ces jeunes maintenant ont beaucoup plus accès à l'information et viennent beaucoup plus facilement à l'hôpital pour se faire diagnostiquer à temps. Peut-être il y a une décennie, mais deux décennies passées, les gens viennent tardivement à l'hôpital ou préfèrent mourir chez eux, à la maison, et personne n'est au courant, le monde médical n'est pas au courant de ce diagnostic. Mais actuellement, les gens viennent, et très tôt pour le diagnostic. Françoise en a souffert. Elle s'en est tirée, mais à quel prix? Bon, le médecin même m'a dit que si j'ai assez de moyens, je peux aller me faire soigner à Accra, que là-bas ils arrivent au Ghana. Mais tout ce que le médecin disait, moi, je ne croyais plus. Je me disais qu'il disait ça juste pour m'encourager. Je pensais à ma mort. Je ne pouvais même plus manger. Dans une semaine, j'ai perdu au moins 10 kilos. Je m'enfermais tous les jours et je pleurais. Docteur Rosa Djenou Atanlé. Quand on détecte à temps un stade pas encore avancé, où vous avez juste un nodule dans le sein,
aujourd'hui au Togo, on fait tout. Et ces femmes survivent. On a même des femmes qui sont là 20 ans après leur traitement de cancer, 23 ans après leur traitement de cancer. Elles oublient même qu'elles ont eu une fois cette maladie. On peut guérir du cancer de sein. On peut guérir du cancer si on se fait découvrir à temps. Et voilà une des raisons pour laquelle nous insistons sur le dépistage. Lorsque le diagnostic de ce cancer est fait à un stade de dépistage où la femme ne se savait même pas porteuse d'une maladie et on arrive à faire le diagnostic et qu'on commence à ce moment le traitement et on suit toutes les phases du traitement, on arrive à être guéri à 100%. Valérie a été traitée pour la même maladie. Aujourd'hui, elle va beaucoup mieux, mais les souvenirs de ces moments sont toujours difficiles à supporter. C'est grâce à mon frère que j'ai pu m'en sortir. Il a pris tout en charge. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais c'est l'argent qui me fait de plus. Sinon, pour le reste, ça va. Donc, il faut beaucoup d'argent pour se soigner bien. Vraiment, parce que je n'arrive pas à acheter les médicaments aussi. Donc moi, je suis là comme ça. Pourquoi vous pleurez? Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Oui, voilà, c'est la réalité du vécu de ces malades du cancer. Il faut les accompagner sur le plan psychologique. Il faut les assister régulièrement. Ces femmes n'ont pas les moyens pour se faire soigner. Mais vous voyez, nous sommes limités par les moyens. On n'a pas de partenaires financiers. On a des donateurs qui font des dons, mais ce n'est pas des dons consistants. Au départ, c'est facile pour nous de rendre visite à domicile comme à l'hôpital à ces femmes. Mais maintenant, le nombre s'accroît, ce qui fait que nous n'arrivons plus régulièrement à rendre visite à ces malades. Stéphane Awiti est le directeur exécutif de l'association Espérance et Vie Nouvelle. L'association existe depuis 2006 et assiste les femmes qui souffrent du cancer du sein. On essaie de soulager le moral de ces malades à travers des conseils, des groupes de parents que nous animons, qui permet de recenser toutes ces femmes, qui échangent leur expérience, qui permet de faire face et d'accepter la maladie. Parce qu'il y a une question d'acceptation de la maladie. Elles n'osent pas beaucoup en parler non plus. Justement, elles n'en parlent pas beaucoup. D'abord, c'est des femmes qui se posent des questions. Pourquoi moi? Et la société doit ces femmes, comme si dans peu de temps, elles vont mourir. Mais le cancer du sein ne doit pas être que la préoccupation des femmes. Alors là, c'est vrai qu'on aime toucher à certains moments, mais même si on entend parler sur les médias, c'est pas un sujet qui revient souvent. Ah, ma femme, peut-être, oui. On en rit, mais franchement, c'est pas non, c'est pas une grande préoccupation. Je n'en ai jamais parlé, ni à mes soeurs, ni à ma copine. Je me dis qu'on leur a appris à faire l'autopalpation. C'est vrai que ce n'est pas toutes les femmes ou bien toutes les filles, mais bon, je n'en parle pas. Ah oui, le problème, c'est qu'on n'est pas éduqué dans ce sens à vouloir leur demander de palper leur sein, non. Les seins sont là et puis nous les utilisons quand nous en avons besoin. Docteur Rose Adjenou, attends-les. Les maris aussi sont invités à la fin des règles de leur femme de les aider à faire l'autopalpation pour voir est-ce que le sein de ma femme que j'ai vu le mois passé, c'est pareil. Joy mon diadème
Il est long, douloureux et coûteux le chemin du traitement. On peut bien s'en sortir tout de même, mais à quel prix? Alors, ne jamais oublier que pour le cancer du sein, les palpations restent importantes. On part. Ça pourrait reprendre. Ok, non, c'est. Oui, c'est vrai. Ça finit bien parce qu'il y a plein de personnes qui sont Joe dans le sujet. Ouais. Ou bien. Allez, on va quand même applaudir. Quelqu'un qui lui dit, c'est vrai, il fait sa part du boulot. Eh bien. Non, c'est un vieux sujet, mais je crois que ça peut. Ça... C'est d'actualité. Oui. Ce qui a évolué, c'est juste quand l'autre patiente. Vous dites qu'elle est décédée par la suite. Oui, Valérie. Valérie est partie. On a fait l'interview aussi. J'étais passé, j'étais en vacances, on avait fait ça. J'ai même monté diffusé là-bas. Je ne sais pas si vous l'avez écouté même. Et après, elle est partie. Oui. Et j'ai eu Stéphane au téléphone. Il me dit qu'elle est partie après. Ouais. Elle disait qu'il fallait aller se faire soigner à Accra. Oui. L'une des avancées aujourd'hui, c'est ça. On a un centre ici. À Lomé. Le Centre international du cancer de Lomé, où on peut se soigner, mais toujours de bourser de sa poche. Hein. La première femme que nous avons écoutée qui a dit que en une semaine, c'est Françoise. Oui, elle a perdu 10 kilos. Vous savez aussi, il faut que ces femmes soient fortes. Absolument. Parce que l'histoire ne va pas trop polémiquer autour, mais ce qui se disait dans les couloirs que Françoise a écouté, elle n'attendait pas à entendre ça en venant pour se faire diagnostiquer. Mais elle était très forte de faire face à son cancer du sein. Ça aussi, c'est une réalité. Il faut que les femmes qui souffrent du cancer soient très fortes. Ça, c'est déterminant combattante, pour la réussite. C'est la détermination. Pour la guérison. Aujourd'hui, elle est en pleine forme. Tout à fait. Ah, ok. Elle est responsable d'une. Ouais. Bon. Quand j'étais allé là-bas, même pour l'interview, franchement. Elle était encore en traitement, mais elle a été très forte. Très forte. Elle nous parlait naturellement. Naturellement. Tu ne sauras pas qu'elle souffrait de quelque chose. Ouais. Et je me rappelle aussi, j'avais eu Dr Rose à l'époque, avant d'aller la voir. Et c'était Stéphane qui m'a dit, ah, qu'il y a une dame là qu'on pourrait avoir. Et je suis allé, franchement, le docteur Adjelou me disait, on peut soigner, on peut guérir. J'avais eu la preuve, effectivement, avec l'autre là, que elle se portait mieux, toujours, elle était en traitement, mais elle allait bien. Tu vois, elle s'est dit. Et après, Valérie, vous étiez venue à la maison, tout on a fait l'interview à la maison. Tout à fait. Et tout à fait. C'était. C'est une dame très forte. Oui. C'est une dame aussi très forte. Oui. En fait, bon, la femme a cette. particularité, oui, la femme vrai. De nature que Dieu l'a fait. Elle est un peu plus courageuse quand même. Elle est courageuse plus que l'homme. Plus tenace, oui. Elle est plus tenace que l'homme. Ça, nous devons reconnaître un peu. Face, vous voyez ces femmes, le parcours de chaque femme est atypique d'ailleurs. Mais vous sentez que chaque femme vraiment dégage vraiment. Quelque chose de fort. Alors, pour parler de la durée, il y a encore la femme, une femme parmi nous, elle était là au lancement la dernière fois. Et là, on a traité son cancer du sein, on a enlevé le sein depuis 1990. Elle fait 32 ans avec son cancer. C'est elle qui a tenu le béquille. C'est ce que le docteur Adjé nous disait. Oui. 32 ans. 20 ans après. Oui. Elle est encore en vie maintenant. Elle ne souffre plus de son cancer. Elle souffre un peu de vieillissement. Mm. Donc, le problème, c'est le dépistage précoce. Et la prise en charge, finalement. Voilà. Dépistage précoce et prise en charge. Oui, dépistage précoce et prise en charge. La prise en charge devient énorme quand on se fait dépister tardivement. On insiste sur le dépistage précoce parce que là, le traitement est à moindre coût et l'individu seul peut supporter. Et on a plus de chances même de guérir, de s'en sortir à 100%. Mmh. J'ai eu un témoignage, ce n'est pas d'ici, mais c'était le jour, le 6 octobre, quand on a fait le lancement. Je ne sais pas, la personne n'est pas au Togo, mais elle a eu mon numéro et m'a appelé. Elle a commencé. Docteur, vous êtes béni au Togo. Vous avez eu jusqu'à la radiothérapie au Togo. Vous êtes béni. Moi, ma femme a eu le cancer. On n'a pas pu nous faire le diagnostic ici. Dans un autre pays. Oui. Et ça a tellement évolué que la dame qui était
responsable dans une structure était obligée de démissionner parce qu'elle est tout le temps fatiguée, tout le temps fatiguée. Personne ne savait de quoi. Ah, on n'a même pas pu diagnostiquer le cancer. Voilà. Ça peut arriver. Ça veut dire qu'elle-même aussi ne fait pas l'autopalpation. Voilà. Voilà. Je crois que vous avez beaucoup insisté là-dessus. Quand on tournait l'autopalpation, on l'a dit à la fin, les hommes aussi, quand vous êtes mariés, vous avez une copine... De joindre l'utile à l'agréable. Voilà. Il faut essayer de Et le témoignage continue. Oui. Le monsieur dit, finalement, ils sont allés dans un autre pays, mais avec des dépenses énormes. Oh. Et puis, finalement, lui aussi était obligé de démissionner. Oh. Alors que c'est maintenant plutôt qu'ils ont besoin d'argent pour faire face à la maladie. Quand on parle de cancer du sein, ce n'est pas qu'on en parle trop, mais ça fait des ravages. C'est des drames dans certaines familles. Et ça, c'était le 6 passé que la personne m'a appelé d'un autre pays pour me dire ça. Voilà. Ah oui, après l'émission. Après, quand on a fait le lancement. Oui. Donc, le dépistage, l'autopalpation, on ne le dira pas assez. Il faut le faire. Ça ne coûte rien. Vous n'allez rien payer. C'est vous-même avec votre sein. Vous voyez s'il y a quelque chose dans le sein. Si la forme a bougé. Des fois, ce n'est pas forcément quelque chose, mais si la forme change aussi un peu. C'est pourquoi on dit qu'il faut soulever le bras, faire les bras ceci sur la hanche et tout ça pour voir si ça a bougé ou ça a changé par rapport au mois passé. Et dès que vous trouvez quelque chose, n'attendez pas pour dire ça ne me fait rien. Ça ne me fait pas mal. Des fois, on a peur d'aller chez le médecin pour que le médecin vous donne un diagnostic. La peur, vous avez peur, vous n'y allez pas. Ça n'empêche que le truc se développe. Voilà. Mais plutôt vous allez. Et toutes les déformations du sein ne sont pas cancer non plus. Non, toutes les déformations. Non. 90% de tout ce qu'on découvre dans le sein, ce n'est pas cancer. Tu vois. Mais une fois que vous avez quelque chose dans le sein, comme vous avez une fois enlevé quelque chose dans le sein, ça va attirer votre attention que il faut être plus attentif sur votre sein. Donc, l'autopalpation, l'auto-examen des seins, il faut le faire tous les mois. Il faut le faire tous les mois. Et quand vous découvrez quelque chose, n'ayez pas peur. Allez à l'hôpital pour qu'on vous dise ce que c'est. Et à partir de 50 ans, ne vous contentez plus seulement de l'autopalpation. Faites la mammographie. Si tu sais que dans ta famille, tu as déjà des antécédents de cancer de sein, à partir de 30 ans déjà, tu peux faire ta mammographie aussi. Vous verrez le dire tantôt, au Togo, c'est seulement à Lomé. Mais je crois que l'État fait des efforts pour que bientôt, il y ait la mammographie dans toutes les structures. Et ce que le je vais... Le cancer n'a qu'à attendre bientôt avant d'aller à l'intérieur du pays. Ce que je vais dire, nous allons tous au village. Nous allons tous au village. Quand il y a les funérailles, nous allons. Au lieu d'aller se pavaner avec nos grosses voitures devant les femmes du village et tout, il faut dire, toi, prends. Ou bien je te prends dans ma voiture, on descend à Lomé, je te fais faire ta mammographie et tu retournes. Ouais. Ça, chacun peut le faire dans sa famille, en attendant que l'État ne déploie les moyens. On peut le faire. C'est pas faux. On peut le faire. Ça ne coûte pas plus cher que quand la maladie se déclenche. Hein. Voilà. Payer le transport ou alors quand vous allez au village, ramener, focus sur une femme, vous vous dites, je vais ramener une tante, une maman, une sœur qui est au village, elle va venir faire ça, sa mammographie, si elle a plus de 50 ans, et puis on lui repère le trajet retour. Oui, elle fait ça le même jour, elle a le résultat le même jour, et elle retourne. Parce qu'on leur donne des 5 000 quand on y va, on fait des petits gestes. Les 5 000 francs, là, il faut dépasser ça maintenant. C'est ça. Amener à Lomé, faire la mammographie. Si vous ne voulez pas les mettre dans vos voitures, donnez-leur l'argent de transport, donnez-leur l'argent pour la mammographie. Et après, téléphoner. Est-ce que tu as eu ton résultat? Je veux voir. Ça, chaque Togolais peut prendre sur soi de faire ça à sa famille, aux membres de sa famille. Nous pouvons commencer comme ça. C'est ça. Parce que la lutte contre le sein, c'est une organisation qu'il faut faire. Et chaque commence soi-même, dans sa maison, dans sa propre famille, c'est d'abord. Clair, clair. Si on se croise les bras, qu'on dit « on attend l'État », le cancer, lui, n'attend pas où. Faisons quelque chose. Le traitement est très, très... c'est pénible. Oui, et le traitement est très lourd. C'est pénible. Et j'ai suivi un peu ça. Quand on vous fait ce qu'on fait premièrement, on perd les cheveux. Là. La chimiothérapie. Oui, voilà, c'est ça. La chimio même, quand elle revient,
Fatigue. Tu n'as pas d'appétit parfois. Mais ça s'améliore quand même aujourd'hui. Tu rends tout. Tu rends tout et tu... Mmh. Oui, mais il y en a qui ne supportent pas forcément. Oui. Ce que je vous dis là, il n'y a pas 10 ans. Hein. Oui. Chaque patient. Chaque patient. Mmh. Ah oui. Perte d'appétit pour les jours qui suivent. Et le temps qu'elle récupère, il faut aller encore. La deuxième séance, la prochaine séance, c'est déjà là. Très difficile. Mmh. Et après, c'est vraiment pénible. C'est pénible. C'est pénible. Oui. Mais bon, elle s'en est tirée. Hein. Mmh. Mais c'est non, avec le temps, elle-même, elle voit l'amélioration. Oui. Elle s'encourage et puis elle continue. Si vraiment elle est trop atteinte, on peut sauter une semaine. La séance de prochaine. Pour lui permettre de reprendre des forces avant de... Ou des fois, on les hospitalise, il y a des médicaments qu'on leur donne, peut-être elle a besoin un peu de sang, on fait leur transfusion, et puis bon, recommence. Il faut vraiment faire tout pour la prévention, quoi. Oui, les palpations, vous avez dit, c'est quelques jours après les... La palpation, on recommande de faire ça tous les mois, après les règles. Mm-hmm. Pour celles qui ont encore leur menstruation. Mm-hmm. Okay. Mais celles qui n'ont plus leur menstruation, on leur demande de choisir une date au cours du mois. Si c'est le 20 du mois, si c'est le 10 du mois, elles choisissent cette date et dès que cette date arrive, elles font elles-mêmes leur auto-palpation. Mm-hmm. Voilà. Et on leur demande, tous les 2 ans, après 50 ans, de faire la mammographie. Donc, c'est après les règles qu'il faut le faire pour celles qui ont encore les règles. Et il faut le faire torse nu devant un miroir d'abord pour voir les contours du sein, l'aspect du sein. Je veux faire ça. Hey. Vous avez pas, ouvrez vos yeux. Vous pensez que, ouvrez vos yeux là. Ok. Miroir. Donc miroir. C'est du genre. Donc d'abord pour devant le miroir, les bras le long du corps. Ok, comme ça. Et tu vois bien le sein. Il y a et tu compares. Ici, vous envoyez la photo. Sautez la photo, envoyez à Agbeto vivant là. Voilà. Donc, comme ça, vous voyez le bien, oui, devant le miroir, vous voyez bien les deux seins, vous les comparez. C'est vrai qu'il y a un sein qui est toujours plus gros que l'autre. Naturellement. Naturellement. Si vous avez l'habitude, vous saurez lequel est plus gros chez vous. Donc, vous voyez c'est, le c'est contour. C'est pas le même chez toutes les femmes. Non. Ça peut être gauche chez l'autre, droit chez l'autre, le milieu chez d'autres. Mmh. Donc, vous voyez bien l'aspect de vos seins. De vos seins et puis, bon, des mamelons et puis tout. Après... Vous mettez les mains sur la hanche. En mettant les mains sur la hanche, vous voyez le mouvement que les seins font. Ça se lève un peu. Ça bouge. Mais ça bouge. Et vous comparez aussi ce mouvement par rapport à l'autre sein. Pourquoi chez moi, ensuite, ça ne bouge pas? Tu dis pas de le voir bouger. Ensuite, vous levez les bras. Les deux bras en haut. OK. Et on voit encore l'aspect. Là, vous avez joué avec vos yeux. Oui. Maintenant, nous allons jouer avec la main. Mm-hmm. Quand vous prenez la main, il y a les 5 doigts de la main que vous allez utiliser. Ouais. Mais le pouce ne participera pas. Donc, il ne faut pas le courber non plus vers la paume comme vous l'avez fait là. Okay. Non, on le met à plat comme ça, la main à plat. Et on applique la main gauche sur le sein droit, la main droite sur le sein gauche. Donc, la main contralatérale qu'on utilise. Pas la main du même côté, non. Donc, on ne fait pas ça. Non. Mais on fait ça. On fait plutôt comme la ça. La main de ce côté va toucher vers le sein de l'autre côté. Le contrôle latéral. Mais si c'est quelqu'un qui fait ça, lui, il peut faire ça demain, non? Si ce n'est pas moi-même, si c'est on joue l'utile à l'agréable, comme je suis debout comme ça, lui, il peut faire avec n'importe quelle main. Non, si c'est, ça veut dire qu'on joue l'utile à l'agréable. Mais... Et c'est tellement utile de faire cette palpation que pour une fois, il faut le faire bien. Maintenant, on va apprendre comment je le fais individuellement. D'accord. Et puis après, vous allez nous apprendre comment il va me le faire. D'accord. Tu faut regarder là-bas, il faut suivre. Je n'aime pas ça. Et on va faire exercice d'application à la maison. Je lui ai bien dit de regarder. Et puis de note même. Non, tu prends ta main droite. Ma tu prends ta main droite. Cette main-là, elle reste comme ça, sur mon corps. Oui. D'accord. Et tu non, la main, là, tu le mets derrière. Comme ça. Oui. Je mets la main comme ça derrière ma nuque, comme ça, oui. Oui, pour bien dégager je le sein. Je fais comme ça. Et tu appliques les mains. Zoomer sur moi. Sur le sein. Je commence par où? Tu commences par la base du sein, là où le sein est implanté contre ici. Le corps. La poitrine ici, en haut, oui. Tu appliques les mains, tu appliques. Mm-hmm. Oui. Et maintenant, tu commences par faire des mouvements de roulement. Comme si c'était des ronds-ronds que je faisais.
Comme et tout ça. En le faisant, tu bouges les doigts pour faire le tour du sein. Jusqu'à depuis en bas, je commence en haut, je viens en bas. Tu fais un cercle tout autour mais du sein. Mais je ne fais pas, on ne fait pas aussi rapidement, on ne court pas. Hein. Non. Fouillez, vous cherchez. Vous prenez le temps, c'est quand vous avez le temps que vous le faites. Ce n'est pas quand vous avez un rendez-vous, vous êtes pressé, vous prenez votre douche rapidement. Non, ce n'est pas comme ça. Le soir, quand vous vous lavez, par exemple, vous êtes assis sur votre lit, vous vous apprêtez à dormir, et vous faites ce petit plaisir-là. Donc là... Oui, il faut faire debout d'abord avant de faire coucher. On peut faire coucher aussi. Oui, on va en arriver. On prend le debout déjà. Donc, vous faites le tour du sein. Comme ça. Tout en évoluant vers le mamelon. OK, donc on fait le rond comme ça. Comme ça, quand vous finissez un premier rond, vous entamez un deuxième rond. Et ainsi, les ronds vont s'amenuiser jusqu'à venir au mamelon. Des fois, on dit de diviser le sein en quatre parties. Comme ça. Bon, si vous le divisez aussi en quatre parties, vous prenez un quart, vous commencez par le haut, tout en appliquant la main, en appliquant le sein contre la poitrine, vous roulez, vous venez de haut vers le bas, vous arrivez au mamelon, vous finissez un quart, vous entendez le deuxième quart, et vous faites ainsi jusqu'à finir tout le tour du sein. Voilà. Et quand vous arrivez au mamelon, vous pressez le mamelon. Comme ça, là. Oui. On tient le mamelon comme ça, on presse. Non, si le mamelon. Si vous allaitez, il ne faut pas presser, quelque chose va sortir forcément. Oui. Quand on dit papa le sein, on ne tient pas le sein comme on tient pour donner à l'enfant. Non, on applique. Oui. Quand vous venez presser le mamelon entre le pouce et l'index. Entre le pouce et l'index. Vous pressez. Comme ça, et puis on prend le mamelon, on tient et on presse. On presse pour voir. On cherche quoi en fait? Pour voir un liquide qui va sortir. Si un liquide sort. Pour un liquide normalement, aucun liquide ne devrait sortir. Si vous n'allaitez pas, liquide ne doit sortir. Voilà. Si bien même il y a un liquide, normalement c'est un liquide clair, limpide, comme de l'eau, mais qui n'est même pas abondant, qui sort. Normalement. Maintenant, qu'est-ce qui doit inquiéter? S'il y a du sang. Le sang peut sortir. Le sang peut sortir. S'il y a du sang. On presse avec de l'index. S'il y a du sang, ça doit inquiéter. Ou bien un liquide qui n'est pas limpide. Qui n'est pas clair. Qui n'est pas clair. Vous n'allaitez pas, mais ça sort un liquide qui est façon, ce n'est pas clair comme de l'eau. Ce n'est pas très bien. Des fois aussi, on n'allaite pas, mais il y a le lait qui sort. S'il y a ça aussi, il faut consulter. Ça fait autre chose, mais il faut aussi aller consulter. Vous n'allaitez pas, mais vous avez le lait dans le sein. C'est lui aussi une maladie. Ah. OK, d'accord. D'accord. Quel qu'en soit le cas, tant que vous pressez le mamelon et qu'il ne soit pas un liquide clair qui ne vous inquiète pas. Vous-même, vous savez, si la chose doit vous inquiéter, ça va vous inquiéter. Quand le truc est bizarre, c'est bizarre, on sait. Mais on peut ne pas trouver de boule, on peut ne rien trouver, mais un liquide peut sortir qui peut inquiéter. On va rapidement signaler cela. Et aussi, je le redis, au niveau du mamelon, quand vous êtes devant un miroir, regardez s'il n'y a pas des petits points, s'il n'y a pas une desquamation, comme si quelqu'un qui fait... Et d'âtre ou bien des mycoses au niveau du mamelon. Donc, des trucs qui font sur la peau des femmes, voilà. Sur le mamelon. Oui. Donc, on peut avoir des taches comme ça. Oui. Donc, il faut vérifier cette tache aussi sur le mamelon. Oui. Donc, s'il y a la tache, il faut signaler aussi. Il faut signaler, il faut aller consulter. Ça, on vient d'apprendre. Vous saviez pour la tache? Si. Moi, je ne savais pas pour la tache. Des petites exclamations. Des fois, il y a des plaies qui sont là. Des points comme. Si c'est une aiguille que vous avez perdue, qu'est-ce que vous pensez? Un pot d'orange. Non, au niveau du mamelon, ce n'est pas le. Mais peau, vous aurez des petits plaies. Sur le sein même. Donc, vous voyez, la peau d'orange, c'est du genre. Vous voyez comment l'orange chère, non? C'est comme si on avait piqué des points dessus. Le sein. La peau est un peu épaisse. Et les trous qui sont sur la peau se font bien voir. Les pores se font bien voir. C'est une anomalie. Ce n'est pas normalement comme ça, en fait. Ce n'est pas normalement. On parle aussi de. Quand le mamelon, il rentre dans le sein. Oui, le mamelon peut être ombiliqué, ça rentre dedans. Mais s'il y a des gens qui, naturellement, ont leur mamelon qui sont comme ça. C'est pourquoi on demande de connaître son sein au bout des doigts et au bout de ses yeux, si on peut parler ainsi. Super. C'est pourquoi on dit de faire ça de façon régulière. En le faisant de façon régulière, tous les mois, vous arrivez à connaître votre sein parfaitement. Et le jour où il y a la moindre anomalie, vous allez détecter ça. C'est pour ça qu'on insiste sur la régularité. Okay. Et quand vous finissez de palper le sein et le mamelon, n'oubliez pas la partie qui est comprise. Il y a le creux de l'aisselle, on va arriver. Mais la partie entre la clavicule en haut et la base du sein. Ici, là. Oui, cette partie-là. Oh, je dis ici, là.
Ici. La clavicule, c'est l'os qui est là, allongé là. Glonquille. C'est l'os qui est là. L'os qui est là. Et puis l'espace qui est compris entre cet os-là et le sein. On oui. doit toucher aussi. Oui, oui, vous devez palper. Parce que dans le sein, vous ne pouvez rien trouver. Vous pouvez trouver une boule dans cette partie-là. Vous allez dans le creux ciliaire. Mmh. On fait là, vous dites qu'on fait les doigts comme ça, on creuse. Crochet mmh. pour chercher une boule dans le creux ciliaire. Mmh. D'accord. On cherche. Jusque-là, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Et donc, on reprend de l'autre côté. Et de l'autre côté aussi, la main du sein que vous voulez examiner va être derrière la tête. Mm-hmm. Et la main contralatérale va vers le sein contralatéral. Et on reprend le même exercice. Le même exercice. Le même exercice. On fait le tour du tout le sein. Pas des mouvements qui appliquent le sein contre la poitrine. Il faut appliquer vraiment le sein. Oui, il faut appliquer. Il faut appuyer sur le sein, casser le sein sur la poitrine comme ça. Parce que avant les règles, ça peut avant les règles, c'est le sein tendu, machin. Donc voilà, et on finit. Et on fait la même chose ici, là. Mais on peut se coucher également pour faire et ça. Et maintenant, quand tu finis ça, okay, tu peux maintenant sur une natte ou sur un lit, tu te couches et le sein que tu veux examiner, tu plies un de tes pagnes que tu mets sous le dos. On n'a pas de pagne ici. Tu peux prendre un coussin. Moi, je le m'en mets. Tu peux prendre un coussin. Voilà. Oh, voilà. Tant que c'est pour la vie. Donc, je peux me coucher. Mm-hmm. C'est pas pour rien que je suis en tenue de sport. N'est-ce pas? Je suis. Bonne nuit, les amis. À plus tard. Je pas plus d'envie. Donc, là-bas. J'espère que mon micro va continuer de marcher. Je viens de me coucher dessus. Oula. Donc, comme ça. Oui. Et je mets le pagne. On suppose que c'est ça le pagne. Oui. Je fais comment? Tu le mets sous le sein droit qu'on veut palper. Tu le mets au dos. Ici. Oui, voilà. Oui. Comme ça, ça relève un peu. Ah, cette ok, d'accord. Donc, le sein qu'on veut palper. Un peu sur le. On soulève un peu. Voilà. Et maintenant, comme tu l'as fait debout, tu prends la main contralatérale, la main je gauche. Je refais la même chose. Et tu refais la même chose. Est-ce que ça dit que je refais ce que j'ai fait debout, je me couche pour refaire ça en même temps, ou bien c'est optionnel? Ou je fais ça debout, je fais ça couché? Madame Lys, le cancer du sein fait tellement de drame, qu'il vaut mieux faire les deux. Faire les tant deux. Que ça ne coûte pas cher, ça coûte rien. Ça ne te prend même pas du temps. Il faut le faire. On ne sait jamais. Parce que quand tu se relâches un peu, et puis ça te permet les petits nodules qui commencent là, tu peux les détecter rapidement. Parce que quand le cancer commence, c'est moins que des grains de sable même. C'est pourquoi on recommande même la mammographie. Donc, c'est difficile même de le détecter avec le doigt. À partir du moment où tu l'as détecté avec tes doigts, il faut que ça déjà fait 10 ou 10 ans dans ton corps. Ah, oui. Donc, il faut utiliser tous les moyens pour le dépister très tôt. Très tôt. Quand vous vous couchez, vous refaites les mêmes gestes que vous avez fait debout. Donc, je finis d'examiner ici. Tu déplaces encore. Je déplace le poing, je remets de côté et puis je refais. Ici, comme ça, il peut le mettre à la nuit comme il veut. Okay. Oui, comme il y a le. Mais comme il y a le truc sous le relevé. Parce que pourquoi on soulève? C'est que tu auras le creux de l'aisselle à examiner. À examiner. Okay. Donc quand tu as déjà la main derrière, c'est déjà sous le relevé. Ok. Donc. Ouais. Ok, super. Maintenant, ça c'est si moi-même je m'examine. Si quelqu'un doit m'examiner, on fait comment? Si quelqu'un. La personne fait comment? Si quelqu'un doit t'examiner, oui. Souvent, je ne me lève plus. Souvent, c'est le mari. Donc, comme on le dit, on recommande d'être torse nu. Ce n'est pas quand vous êtes habillé, soutien, porté, tout ça. Mais même ce qu'on se fait à soi-même, ce n'est pas habillé. Non, ce n'est pas habillé. C'est torse nu. On est nu, c'est torse nu. C'est torse nu. C'est pourquoi on demande, nous sommes en Afrique, si vous n'êtes pas seul dans votre chambre, ou ça ne vous, enfin, là où vous habitez ne vous permet pas de vous déshabiller pour le faire. 1000 personnes vont rentrer en même temps. On recommande de le faire dans la salle de bain. Son autopalpation. Et maintenant, la nuit, quand tu te couches, tu peux examiner aussi le sein. Mais si c'est avec votre mari, torse nu, alors, il peut aussi palper le sein. Comme on a fait, comme moi-même, je me le fais, il va faire le tour aussi. Tu soulèves le bras du sein qu'elle veut palper, et puis il fait vraiment le tour, et au niveau du mamelon, on presse.
il presse le mamelon, l'espace entre la clavicule et le sein, il va palper ça, le creux axillaire, il va palper ça. Et après, on va vers l'autre sein aussi, on il le fait. Il fait pareil. Oui, maintenant, toujours les doigts à plat. À plat, les doigts à plat. Des fois même, on dit, pour que la femme puisse bien faire ça, de mettre du savon liquide ou bien de la vaseline, ou bien de la du beurre de karité, ou bien la pommade. La pommade qu'elle utilise elle-même, elle peut utiliser. Le mari aussi peut enduire ses doigts de cette pommade pour que ça glisse bien et que la palpation soit vraiment efficace et efficiente. Après, fini de palper les deux, s'il n'y a rien, la fête peut commencer. Bon, c'est vrai que le constat fait que c'est le sein gauche est souvent le plus atteint. Ça, c'est un non, constat. Sérieux? Mais, ouais. Mais c'est. Il n'y a pas de sein gauche. Oui, mais souvent, c'est souvent le sein gauche qui est atteint. C'est ce qu'on dit souvent, le sein gauche. Mais il n'y a pas de stratum pour appuyer ça. Bon. D'ailleurs, sous d'autres études, nous dirons ce que. Pourquoi c'est le sein gauche? Oui, c'est ça. C'est parce que moi, les cas des personnes que j'ai pu suivre un peu, c'est... C'est le gauche. Oui, il y a au moins 4, c'est le sein gauche. En tout cas, le drame du cancer du sein fait que l'autopalpation ne doit pas être... Oui, c'est vrai, c'est capital. On le recommande à partir de 20 ans. Mais n'empêche, déjà, nos enfants, dès qu'ils ont commencé à faire, les petites filles ont commencé à faire les règles, il faut leur dire... Il faut palper le sein, il faut palper le sein. Parce que souvent aussi, on trouve ce qu'on a comme fibrome au niveau de l'utérus, on le trouve aussi dans les seins chez les petites filles. Et quand les petites filles ont l'habitude de palper leur sein, elles le découvrent aussi très tôt et elles arrivent pour le traitement. Donc, l'autopalpation des seins, l'autodépistage, l'autopalpation des seins, il faut que toutes les femmes acceptent de le faire tous les mois. Sache bien le faire aujourd'hui. Tous les mois. Ceux qui n'ont plus les règles, celles qui n'ont plus les règles, elles le feront à une date fixe. Fixe qu'elles-mêmes auront choisi. Qu'on soit femme. Comme ça, femme avec grossesse, femme en train d'allaiter, femme jeune, femme ménopausée, femme adolescente, il faut s'approprier de l'autopalpation des seins. Alors, justement, quand on est enceinte, on peut aussi, on doit toujours continuer. Oui, c'est vrai que quand on est enceinte, c'est gros et ça fait mal. Ça fait mal. Oui, même si vous ne le faites pas encore régulièrement, il faut, parce que c'était, je me rappelle, c'est quand elle était enceinte qu'elle a découvert qu'elle avait un nodule dans le sein. Le nodule, sans doute, était là depuis, elle ne savait pas. Oui, justement, c'est quand elle est à l'hôpital pour son consultation prénatale qu'on a découvert ça. Et toutes les prières étaient qu'elle arrive à accoucher sain et sauf. On leur interdit l'allaitement. Ah oui, donc quand il y a le nodule, on n'allaite pas? Parce qu'elle devait commencer en même temps le traitement. Ah, c'était arrivé à ce niveau-là. Donc, c'est quelqu'un qui n'était même pas dans la capitale. Il faut qu'elle arrive de laisser... Tu vois. Donc, même si vous êtes enceinte et vous regardez, au moins si vous ne pouvez pas palper, vous regardez dans le miroir. C'est ça. C'est censé de connaître la morphologie, la structure de son corps, de ses seins. Quand ça change, on le sent. Oui. Quand vous dépistez très tôt, on vous garde le sein, on n'enlève pas le sein. C'est quand on dépiste très tard qu'on enlève le sein. Mais certains, même arrivés à ce stade, vont dire non. Je vais garder mes seins. Mais la maladie ne va pas s'arrêter de grandir. La maladie évolue. Et arrive le moment où fatigué dit, maintenant, vous pouvez enlever. Ah, là, c'est déjà mais trop grave. Tard. On ne peut plus rien faire. C'est déjà grave. Donc, une fois encore, l'autopalpation, nous sommes interpellés. Il faut la faire. Il faut la faire. C'est ça. Mais on a dit une fois par mois, même si tu le fais deux ou trois fois, ça c'est juste pour rien. Savoir si j'ai quelque chose de mal. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver à mon corps? C'est tout ce et surtout se dire que quand c'est détecté tôt, on peut s'en tirer. Et là, déjà qu'on nous dit que si vous arrivez à toucher quelque chose au doigt dans votre sein, c'est que c'est déjà assez avancé. Du déjà, coup, il faut faire vite. Coup, donc, il faut le faire. Et quand on a
des facteurs de risque dans sa famille, si on a des femmes qui ont déjà souffert de cette maladie-là. Il faut plus encore. Mm-hmm. Dans certains pays, on voit qu'il y a des femmes qui prennent les devants et qui vont elles-mêmes s'enlever les seins pour diminuer les risques. Bon. Parce que le cancer du sein, si vous voyez ça évoluer, ça veut dire qu'arrivé un moment, tout le sein devient une plaie. C'est sur votre poitrine, le niveau là, oui, c'est une plaie. C'est une plaie. Et c'est une plaie qui ne se cicatrise pas. Vous aurez beau faire le pansement, ça ne fait que s'étendre. Et vers la fin, il y a la douleur. Dit Jonathan, la douleur. La morphine même n'arrive pas. Et en plus, il y a une odeur. Je m'excuse de le dire, mais il y a une odeur qui fait C'est comme du pourri. Et tous ceux qui s'approchent de toi finiront aussi par avoir cette odeur sur eux. Donc ça veut dire, c'est un drame. Que vous, même si on vous le décrit ici, là, vous n'allez pas comprendre l'ampleur. Ça ne s'explique pas. Monsieur Awiti, c'est de quoi? Oh, monsieur Awiti, il est là tout le temps en contact avec les femmes. Si on dit de faire le dépistage, ce n'est pas qu'on en fait trop. C'est parce que le jeu en vaut la chandelle. C'est ça. La dernière fois, quelle est la dernière fois? Bon, si c'est loin, c'est 2 semaines. Elle est arrivée. C'est déjà dans tout le corps. Oh là là. Elle n'arrivait même plus à marcher. Oh là là. Et c'est en ce moment que... Pourquoi elle n'arrive pas à marcher? Vous savez, nous sommes en Afrique. Au Sotine, au Onukira. Le temps de finir le tour de tout ça là et de se rendre maintenant à l'hôpital où on découvre que finalement c'était la métastase qui est déjà métastasée. On ne veut plus en arriver à ça au Togo. On ne veut plus en arriver à ça. Il faut laisser ça temps un peu. Mais il y a une bonne histoire que notre professeur, paix à son âme, nous a raconté, mais restez. C'est deux associés, deux co-épouses qui s'attendaient bien. L'autre est venu faire son examen à la mammographie, tout, il n'y a rien. Elle rentre à la maison, dit à sa co-épouse, « Ah, voilà ce que j'ai été faire. Demande l'argent à notre mari, toi aussi tu vas aller faire. » Et comme elle s'attend bien, elle l'a accompagnée, elle est venue faire. Et c'est chez elle qu'on a trouvé quelque chose. Qu'on a trouvé. Donc si ce n'est pas qu'elle s'attendait avec sa co-épouse, vous voyez. Non, et si pas elle finit par mourir, même on dirait que c'est lourd. C'est elle qui a bouffé. Oh, les associés, elles ont vu un associé un temps. Les associés, ce n'est pas des associés souvent. Là. Non, sérieux. Il dit que gratte des fois, et ça fait un peu mal à l'intérieur. Est-ce que c'est un signe? Vous attendez quoi pour aller à l'hôpital? C'est-à-dire que vous voulez qu'on fasse consultation en direct? Asseyez-vous chez vous. Quand ça va péter, il faut nous écrire pour nous dire aussi que là, c'est gâté, c'est caillé. Allez vous faire consulter. Quel que soit le lieu de résidence au Togo, il y a toujours un centre de santé qui a l'information. Allez vers le personnel de santé qui vous examine et qui vous montrera la voie à suivre, forcément. Alors, Stéphane Awiti, aujourd'hui, le gros problème, c'est la prise en charge. La prise en charge. Combien de femmes avez-vous sous les aisselles encore, sous les épaules encore aujourd'hui à supporter? Pour la prise en charge. Pour la prise en charge. Vous avez des patientes encore dans le lit, dans les lits d'hôpitaux. Oui, il y en a dans les hôpitaux, surtout le CHU Sivens Olympio. Il y en a d'autres qui n'ont même pas encore franchi le cap du CHU. Faut de moyens. Voilà. Il y a même à l'intérieur, la dernière fois, la veille du 1er octobre, c'est un monsieur qui m'a appelé Datapamé. Bon, et j'ai demandé d'envoyer la photo, mais c'est impossible. Et quand je grognais un peu, je disais, mais pourquoi attendre jusqu'à ce moment? Et le monsieur me faisait comprendre qu'au fait, c'est une colocatrice. Ils sont dans la même maison. Ah, donc il n'a même rien à voir avec... Oui, que lui, il m'a suivi sur la TVT une fois et il a pris le numéro. Et quand ça ne va pas, c'est pour ça qu'il m'a écrit sur WhatsApp que ça sent, personne n'a eu à rester... Dans la maison. Au côté d'elle. Elle est abandonnée seule. Oh. Donc c'est pour ça qu'elle appelle l'association pour venir en aide. Je dis, si vous pouvez la déplacer vers Lomé, nous, on peut accompagner. Mais jusqu'à Tapamé, ce qu'on peut faire, nous avons notre relais de psychologue qui est là-bas. Mais le CH et le centre hospitalier d'Atapami peut
peut faire ce qu'il va faire et pour ramener, si possible, orienter vers le centre de référence Lomé. Mmh. Donc, c'est ce que j'ai dit. Avant, je pense qu'avant-hier, j'ai encore écrit et il m'a confirmé que, à base de mes conseils, elle est hospitalisée actuellement. Mmh. Mais ce cas, par exemple, c'est déjà très avancé. Mmh. Et on ne fera que des soins palliatifs. L'accompagner, peut-être pas mourir, sans tout doucement. Douleur. Mais quand on parle de soins palliatifs, c'est juste à mesure d'esthétique. Mmh. Mais la douleur que ressent la malade, sur une échelle de 10, je peux vous dire que ça peut dépasser 8 à 9. Ça dépasse 10. Voilà. Mmh. Et docteur Adine peut vous témoigner, on était à un groupe de parole à Tokyo Séminaire avec les femmes, et il y avait une dame qui souffrait. Elle a fait sa crise, on a arrêté. Mmh. On a arrêté parce qu'on n'en peut plus. Elle souffrait tellement que tout le monde vivait ce qu'elle... Mmh. Ouais. Donc, ces réalités sont là. Mais parler exhaustivement maintenant du nombre que nous avons, on va sous-estimer ou bien peut-être on va... Mais sur ma table maintenant, je sais que j'ai au moins 6 à 7 dossiers de femmes qui ont demandé de l'aide pour faire le traitement médical. 7 sur le champ. Peut-être 3 ou 4 qui n'ont pas encore ramené les dossiers. Parce que moi, je demande, faites les analyses, faites la mammo, faites ce qui doit être fait pour qu'on puisse voir réellement ce qui se passe avant d'enclencher. De faire les lobbies pour chercher. Avant d'enclencher d'abord, parce qu'il y a d'autres analyses. Mmh. Il faut faire la biopsie, il faut faire la tomopathologie, et même parfois aussi faire le scanner pour voir l'évolution des trucs. Là. Dans tout le avant corps. De l'attaquer. Voilà. Mmh. Et tout ça, là, avant d'enclencher même la chimiothérapie, d'abord il faut une opération, la chirurgie, ça peut être réparatrice, ça peut être radicale. Tout ça, là, c'est des procédures. Mmh. Donc, il faut le minimum de dossiers qui nous soient présentés avant d'aller vers. Mmh. Mais je dis aujourd'hui que, en toute société, la population doit comprendre quelque chose. Aucun partenaire n'acceptera pas de financer une femme dont le stade est avancé et que dans quelques mois, elle va mourir. C'est comme si on gaspillait de l'argent. C'est pour ça que je dis souvent que, même quand on avance dans cette lutte, en faisant des lobbies, des plaidoyers, etc., il faut que la femme comprenne que sa vie doit lui être chère. Mm. Il faut qu'elle pointe sur elle que, si au moins j'arrive à me faire dépister précocement, je pense que je vais taper des portes, je peux trouver un secours. Un secours, c'est ça. Alors, c'est pour ça que on se prépare pour lancer la mobilisation collective pour venir en charge, en aide aux personnes qui nécessitent, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer les cas. C'est une maladie qui ne choisit pas forcément des personnes indigentes, des personnes dont le quotidien était déjà difficile. La crise se rajoute, le prix du gaz se rajoute, tout se rajoute et le cancer, c'est des personnes, vous les voyez, vous savez qu'elles ne peuvent rien. Et il y a de ces cas qu'on peut encore rattraper, qu'on peut encore sauver, mais juste c'est les moyens qui manquent. Ça peut se retrouver dans vos familles, ça peut se retrouver dans nos familles. Il faut qu'on se mobilise pour nous aider nous-mêmes. On va vous donner d'ici là plus de précisions, mais on va lancer cette collecte internationale. On va vous donner toutes les informations. Préparez-vous pour contribuer à la préservation de la vie. On ne vous demande pas de donner de l'argent, mais on vous demande de donner un peu de vie à l'autre. Donner juste un peu de vie à des gens qui ont besoin de vivre. Apprêtez-vous, on va vous donner toutes les informations bientôt pour se mobiliser pour cette grande cause, pour ce grand téléthon que l'on veut faire pour ces gens qui sont là et qui meurent, qu'on va voir mourir parce qu'il n'y a pas de moyens pour les aider. Apprêtons-nous pour ça. On sait que ce n'est pas rose chez quelqu'un, ce n'est rose chez personne, mais octobre doit être rose. Oui, Stéphane, rapidement. Ce que j'aimerais dire aussi, il faut que la population change de mentalité. Mmh. Il y a 2 semaines, avant qu'on ne rentre en octobre, j'étais allé assister au décès d'une de nos femmes. Mm. Et le cancer divise jusqu'à la tombe. Jusqu'à la tombe. Ok. C'est sorcière, c'est machin. C'est son mari qui l'a tué. C'est son mari qui l'a tué. Et la femme est partie. Les enfants sont là. Donc, ce que je dis, il faut que la femme togolaise, mais la femme en général, comprenne aujourd'hui que le cancer même est plus dangereux que la sorcellerie. Le cancer que les gens
Moi, je dis que si c'est de la sorcellerie, au moins on peut trouver un père exorciste pour pouvoir. Voilà. Donc, il faut qu'on enlève de la tête que c'est de la sorcellerie. Quand on dit cancer là, allez-y à l'hôpital, suivez les normes conventionnelles ou le traitement. C'est Stéphane. Ça n'empêche pas. Parallèlement, si vous croyez à votre machine de sorcellerie, allez vous faire soigner à l'hôpital et qu'on fasse les choses au village aussi. Qu'on accompagne tout, que le pasteur prie, que le prêtre prie, que le charlatan prie, mais que le traitement médical, l'hôpital fasse sa part avant que tout le... Vous vous donnez plus de chances de vivre encore. Allez, on finit et on va retourner à la lutte. Oui, Stéphane, rapidement, vous finissez. La campagne démarre le lundi. La campagne démarre le lundi avec plusieurs... clinique. Je peux citer quelques-uns. Oui, allez-y. Bon, il y a la clinique Hôtel Delhi. Oui. Hôpital, ce n'est plus la clinique, c'est Hôpital Hôtel Delhi. OK, il y a la clinique Biasa. Il y a la clinique Alpia. Il y a la clinique Enroth, la clinique Maobedro. Il y a la polyclinique Rossinoï Bobo. Le CMS Isis, l'hôpital Source de Vie et la clinique La Bonté. Il y a plein de cliniques qui rentrent dans la danse maintenant. Docteur Mouka, il a nous dit qu'il y a la clinique Le Peuplier qui est la danse à Guélo-Gopé. Oui, il y a plein de cliniques. Les informations circulent sur WhatsApp. Il faut qu'on soit organisé. Moi, je veux qu'on reste dans l'organisation. Voilà, super. Nous organisons, la Ligue organise cette campagne. Si une clinique veut rentrer dans la lutte, il n'a qu'à nous... Vous faire signer à la Ligue. Voilà. Alors, il y a l'hôpital d'Anéron aussi qui est dans... Oui, comme toujours. Voilà. Comme depuis quelques années, l'hôpital d'Anéron est dedans. Quel qu'en soit le cas, les informations circulent beaucoup sur les réseaux sociaux. Tout à fait. L'affiche avec toutes ces cliniques vont circuler et va circuler, l'affiche, j'ai dit. L'affiche va circuler dans les réseaux sociaux. Nous-mêmes, on va relayer l'information. Rapprochez-vous des structures de santé pour voir si elles sont de la lutte ou pas, elles font de la campagne ou pas. Allez, Novio, on retourne sur la lutte, sur la marche. On va les retrouver quelque part. Fimez, on peut voir, ils sont où? Montrez-nous, ils sont où? Là, 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 où ils sont? Ficolio. On va les retrouver. Là, je reconnais le lieu. C'est là-bas. C'est là-bas, j'ai vu. Je reconnais le lieu, là. C'est là-bas. Allez, on va les retrouver. Chers amis, merci d'avoir été avec nous. Demain, on reprend le balai. Bon, on reprend le balai avec un autre sujet. Demain, on va parler on va discuter de la mosquée. De la mosquée. On va être à la mosquée demain. Alors, si vous êtes chef d'entreprise, est-ce que les prières des musulmans ne dérangent pas la productivité dans l'entreprise? Parce qu'il doit prier combien de fois? Ou bien, il y a des dispositions qui sont prises pour que vous habitez dans une cour commune. Est-ce que leur ablution, la propriété, on va en parler demain avec l'imam de Télésou qui a de très bons conseils pour nous, qui a des très belles astuces pour nous. Et puis demain encore, je vous l'annonce, on avait annoncé ici qu'on donnait des formations en conduite, qu'on n'a pas, encore décerné. Demain, on va donner. Okay. Et puis on aura une formation pour 10 personnes et c'est pour vous. Demain, restez avec nous, c'est à partir de 8 h comme toujours. Mais pour l'heure, Novio, au revoir. Novio Midué, allez!